Voilà. Voilà. Ça arrive. Voilà. Et voilà. Bon, en vrai, top 2, c'est pas dégueu. Ah oui, sur la fin, ça va très très vite. Des fois, je me demande moi-même comment je fais pour... Enfin, ça vient tout de suite. Allez, on va changer la catégorie du stream. En vrai, ça va, je suis plutôt fier. Top 2, c'est cool. On y arrivera, le top 1, les gars, on y arrivera. J'aimerais bien que le 10e top 1 soit avec vous. Ah, bah alors ça fait du bien. Hein. Petit top 2 là. Petite médaille d'argent. Ça fait bizarre à chaque fois la transition de, du bordel de Tetris à cette musique un peu. Salut Lonely. Il y en a qui disent GG. Tati qui dit GG en pleurant. Ne t'inquiète pas, Tati, on y arrivera. Tati croit en nous. Il ne faut pas la décevoir. La tempête avant le calme, c'est exactement ça. Peut-être qu'on resserra tout à l'heure si on a le temps, Tetris vite fait. Mais en tout cas, c'est cool, top 2. On y arrivera. Il va vraiment falloir que je m'arrange pour arrêter de misclick, mais c'est dur. Attendez, il y a un gouin frelumin à la chambre, il me dise. Bah, déjà fait lui, non? C'est perdu. Faudrait une émoticône en ref à Tetris. Ouais, j'imagine bien Fabio qui chevauche un Tetromino. Mais attends, mais je t'ai déjà eu, toi. Attendez, veux-tu aller dans cette galaxie? L'arme. Attendez, je l'ai déverrouillé, mais je l'ai pas fait. Attendez. Merde. Mais non, on l'a déjà fait. La galaxie dépression, ouais. La galaxie de la friend zone, des ex, la galaxie de la mort. Bon, on l'a déjà fait celui-là, alors pourquoi il me l'indiquait sur la carte? C'est bizarre. Chelou. J'ai mal à comprendre. Écoutez, on va aller dans la chambre de vous et moi. Parce que je vois qu'il nous manque pas mal de d'étoiles, je crois. La chambre est ici. Ah, 1667 éclats d'étoiles quand même, hein. Bien ralas le placement de produit Rhino Shield à un niveau éclat d'étoiles. Hein. Ah, bah oui, il nous manque des trucs là. Attendez, puis j'adore ce monde. On va commencer doucement. Le luma violet est toujours aussi flippant, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. En plus, à chaque fois que je le vois, j'ai la phrase de Maître Yoda en tête. Que j'avais mis dans mon test en carton. Ah, celui-là, il est bien. Celui-là, il est pas dégueu. Il fait un peu Zelda où tu dois allumer toutes les torches. On doit re-rattraper le pingouin à la con là. Ah non, c'est pas le même truc. Ah non. Ok, il faut que je récupère les petits trucs jaunes. Allô? Très bien. Attendez, j'ai bien mis sur Super Mario. Ouais, je suis sur Super Mario Galaxy. Le Seven devient streamer professionnel. Ça y est, il fait plus aucune erreur. Allez, dégage. Est-ce que je... Puis-je avoir ça? Merci beaucoup. Il y a moyen d'avoir une petite vie, là. Ah. Il a glissé la chef. La planète Donut. Planète Donut congelée, du coup. C'est vrai que maintenant que tu m'as dit ça, je ne vois qu'un Donut. Merci. J'ai faim. Oh, ça va être chiant. Oh, ça va être chiant. Ok. Ah oui, ah oh, ça c'est trop stylé, regardez. Ça c'est trop stylé. Oh là là, c'est trop classe. Y'a pas à dire, hein. Ça a pas vieilli. Toujours son petit effet quand Mario il vole.
Ça n'a pas mal vieilli, ça. Hein. Ça n'a pas du tout mal vieilli. Non, mais... Alors, est-ce qu'on peut les pousser? J'ai mal. Enculé! Allez, viens. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. On doit pouvoir les brûler avec la fleur de feu. Ah non, ça ne laisse pas indifférent. Ça non plus, j'ai bien ressenti là. J'ai bien ressenti. Alors, madame la fleur de feu, où êtes-vous? Là, je vois déjà qu'on a un petit champipi. Petit champignon qui donne de la vie, c'est bien. On fera pas de refus dans ce monde. Oh, oh, le platforming, quoi. Incroyable. Regardez, l'énigme à la Zelda, quoi. Regardez ça. Ah non, pas du tout. Je pensais qu'il fallait éteindre les torches. Pas du tout. Oh, ils auraient pu faire mieux. Attendez, attendez. J'ai modifié le titre parce que... Je suis sur Switch. Bordel. Voilà. Hein? Ah, répondre 10 fois la même question, ça va. Nick. Ouais, c'est vrai, je sais pas pourquoi autant de gens me demandent sur quelle plateforme je suis. Je pensais qu'elle était assez connue cette compilation 3D All Stars. Enfin, tu me diras, on pourrait être sur émulateur. Hein. Qu'est-ce qu'on voit? Ah oui. Ah, j'ai raté. Oh putain. Oh la physique. Ok, yes. Bien joué. Je pourrais être sur la Microsoft, oui, effectivement, ouais. Je pourrais être sur la Xbox 4 Switch, la fameuse. Je suis sur Game Boy Advance. Non mais attends, le mec il est partenaire, il met le mot bordel dans son titre, quoi. Quel manque de professionnalisme, attends. Ça serait pas arrivé sur mon stream. Ce serait pas arrivé sur mon stream XX Dark Lord 82. Ah oui, alors là c'est chiant, mes souvenirs. Là c'est chiant. Ok. Et d'un. Ah bah non, en fait. Oh, ça va. J'aurais dit Commodore 500. Ça aurait pu. Vu la qualité, ça aurait pu. Voilà. Attention à la gravité, ça rigole plus. Ça ne rigole plus. Ok, j'esquisse pas. Alors là, il faut le faire décaler un petit peu. Voilà, il y en a là-dedans. La physique du truc, incroyable. Je m'en bats les couilles des boules de feu. Ça dégage. Va-t'en. Est-ce que je peux atteindre d'ici? Ouais, c'est cool. Par contre, il n'y a pas la boule de feu là-bas. À toi que je te tue. Que tu ne tombes pas dans la lave là. Je crois qu'on peut l'atteindre d'ici là, non? Ouais, on l'a. Oh non, c'est... Oh non, Mario. Oh non, Mario. Pas après tout ce que tu as fait. Pas avoir sauvé la princesse. Alors, commence. Ah, ça, Mario, c'est certainement un mec qui fait pas des T-spins, hein. Voilà. On peut peut-être l'atteindre d'ici là, non? Ah bah oui.
qu'elle maîtrise. Salut Genki Ball. Je viens de me prendre Mario Galaxy 2, c'est vrai qu'il est supérieur au premier, qui est très bien aussi. Alors, je le trouve pas supérieur moi. J'aime bien les deux au même level, j'avais déjà dit le 2. Je l'aime bien parce qu'il a des niveaux qui lui sont supérieurs au 1. Mais le 1 non seulement il a des niveaux incroyables, mais il a un petit quelque chose qu'il n'y a pas dans le 2 qui vient de l'astronef d'Harmonie. Il y a une ambiance, tu vois, dans le 1. Que je trouve pas dans le 2. C'est pour ça que je les mets tous les deux au même level, hein, je les kiffe. Ah oui merde, alors attendez. Attendez. Faut que j'éteigne ma télé parce qu'il y avait les vidéos, figurez-vous, de gameplay du test en carton numéro 102 qui viennent d'être transférées sur ma clé USB. Je vais éteindre ma télé du coup, enfin mon boîtier d'acquisition. Et ouais, le mec fait des streams, putain c'est incroyable, le mec qui fait des streams et en plus il bosse sur ses tests en carton, mais putain. Mais... Oh là là, mais vous méritez tellement pas! C'est dingue! Merci beaucoup. Tu peux t'éteindre le boîtier d'acquisition, il est brûlant le truc. Il est brûlant. Ouais, quelle productivité, n'est-ce pas? Le mec, il tape 3-4 streams par semaine, il continue ses techs. Putain, c'est fou. Ça va, quoi. Putain, tu fais que jouer aux jeux vidéo. Non, mais attends. Ça va non plus. Merde, j'ai donné un coup dans la Switch. J'ai été karma. J'ai imité les haters et j'ai été karma. Est-ce qu'on se ferait pas un petit jardin venteux là? Hein? Musique culte. Allez, on va se faire un petit jardin venteux. Incroyable cette musique. Est-ce que Super Mario 65 a été annoncé? Toujours pas! Les mecs qui ont pas la ref, le privé de joke, ils vont se dire, bah qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il raconte ce con? Oh là là, la musique, je suis désolé, hein. Je fais comme la dernière fois, mais je me tais et je monte le son, hein. Je suis désolé, mais là... Bon timing de Yester, mais si je l'oxyde pour le Prime. Un bon timing. Faudra juste pas que j'oublie de baisser le son après, comme la dernière fois. Ah, je monte le son un peu parce que cette musique est géniale. Oh, quand la musique explose, je prends l'étoile, vite! Vite! Au moment où la musique explose... Vite! Oh non! Ah bah non, mais elle a tout foiré, elle! Casse-toi! Putain, elle a tout foiré. Merci. Merci. Il est où, le chomp? Où est-ce qu'il est? Allez, d'accord. C'est tout? C'est comme ça qu'on a l'étoile, quoi. Je banne l'étoile. On me la banne. Allez, on me la banne. Elle a tout cassé, on me la banne. Tu vas faire Banjo et Kazooie en stream? Je sais pas si je vais le faire en off ou en stream, Banjo Kazooie. C'est bien le genre de jeu que j'aimerais bien... découvrir de mon côté, enfin redécouvrir du moins, parce qu'encore une fois c'est un des jeux que j'ai fait dans mon enfance très de manière très courte. J'avais fait chez des cousins parce que je n'avais pas la Nintendo 64. J'y avais joué un peu, j'avais bien aimé, donc c'est comme si en fait je l'avais quasiment jamais fait, hein. J'avais joué seulement quelques heures. Merci pour le Prime, dame. Hypé par Mario Striker, tu feras un tech, tu penses? Oui et oui. Et je l'ai déjà dit, mais on fera même des parties en live avec les potes. Avec Pilo, Axio et Jojo.
Je suis hypé, mais comme je disais, je suis un petit peu inquiété par certaines choses, notamment le fait que ça me semble plus doux, moins rythmé, moins violent. Je l'ai raté. Je suis deg. Quelle indignité. Je crois qu'il faut toutes les prendre pour avoir l'étoile. Et je l'ai raté. Aïe. Coup dur pour Guillaume. Et sinon, ouais, hein, hypé par, par Mario Football, évidemment. Évidemment. J'ai envie de mourir. Je me laisse crever là, je le mérite. Il va y avoir du rififi sur... Mauvaise manie. Comment j'ai fait tout à l'heure? Faut que j'aille plus dans le vent peut-être. Ok. Ok. Voilà, on y arrive. Je sais même plus si on a besoin de prendre toutes les pièces pour l'étoile, mais dans le doute. Dans le doute. On va pas prendre de risque. Ah mais non, en fait, à tous les coups, c'est juste pour faire apparaître l'étoile. Bah ouais. C'est juste pour ça en fait. Ouais non, donc non, ça servait à rien. My bad, mon mauvais. C'était pour l'étoile du Chon d'or, ouais. Ouais, ouais, ouais. Tiens, on va le recasser, tiens. Bon timing, encore une fois, de Yes Sir. Merci, Nemad, pour le sub. Pour le deuxième sub. Deuxième mois. C'est fou. On arrive à fidéliser les gens. Ça, c'est le Yes Sir, ça. Ah ouais mon gars, on a buté Malenia en 1v1, on a fait top 2 à Tetris, qu'est-ce qu'il y a? Rien ne peut nous arrêter. D'ailleurs, je me tâte. Je pense qu'on va faire un live demain plutôt que d'attendre jusqu'à mercredi, je vais voir. Soit demain, soit mercredi. Parce que là, Mario Galaxy, en fait, on va le finir au prochain live. Et ça va faire chelou de... Comment dire? D'attendre 2 jours et puis de revenir avec un stream de Mario Galaxy. Je sais pas, je vais voir. Je me tâte encore, putain. Qu'est-ce qu'il fait? Non. Pas comme ça. Pas comme ça. Rip le chomp. C'était pas un womp, donc ça va. Un tombe, vous voulez dire. Parce que les womp, moi je m'en bats les couilles. A chaque fois que je suis un chomp, il y a toujours... Des gens qui me traitent comme un méchant, quoi. Genre, c'est ma faute. C'est lui qui m'attaque. Enfin. Celui-ci, non, pour le coup. Il gambadait juste librement et je l'ai tué. Quand il va rentrer du boulot, enfin, quand sa femme et ses enfants le verront qu'il ne rentre pas du boulot, je pense que ça sera assez triste. Ah non, excusez-moi, on me dit que il avait pas de femme et que sa femme est morte l'année dernière. Ah, du coup, le chomp... Ah merde, les enfants du chomp n'avaient que le chomp en tant que père. Et du coup ils sont orphelins. Ah, c'est pas de bol. Ça me rappelle la vidéo du Goomba. Il y a une vidéo en vue subjective d'un Goomba. De la vie d'un Goomba. Et c'est assez triste. C'est assez triste. Et c'est toi qui as tué sa femme, j'imagine. Ouais. Il y a 2 ans, quand j'ai fait le tech de Mario Galaxy. Enjoy. Ah, c'est un métier à risque, hein. Employé par Bowser, c'est un métier à risque. Ah oui, alors là, c'est le bordel.
Ah, j'ai été puni. Oh, c'est tout. S-tuto, où est le vrai jeu? S-tuto, GG Noit. Allez, ça dégage. Noit à 2 PV, on me le banne. C'est comme le zombie dans ton texte sur Half-Life qui se fait tuer par le wagon. Sur Half-Life 2 alors. À bientôt le texte sur Half-Life 3 les gars. Ne perdons pas espoir. Ah, une comète blanche, très bien. Celle a un point de vie. C'est celle a un point de vie je crois. Attends, mais du coup, qu'est-ce qu'ils vont nous faire faire à un point de vie? Parce que dans le jardin monstrueux, il me semble qu'il n'y a rien de bien compliqué. Je vais me faire karma. Le roi Mogu entre en scène. Ah, mais c'est le boss Topitope. Peut-être le moment des prédictions, ouais. Est-ce qu'on va le first try? Yoshipam, c'est parti, petite prédiction. On est chaud. Ah, mais il n'y a que le boss? Ok. Allez, ça dégage. Ah merde, faut qu'il sorte déjà. Allez. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Oh merde, il est de l'autre côté. Mon mauvais. Et voilà, comme d'habitude, les gars. Il fallait parier sur moi. Attends, mais il n'y a pas eu de prédit en fait. Mais. Il a pas fait de prédit, Yoshipam, là. On me le banne. Ah si, il en a fait? Ok. Je vous l'avais dit, chaque fois qu'il y a une prédit sur Mario, faut me faire confiance. Bon, en même temps, il n'y a rien de dur. Hein, mais... Yoshipam a fait une prédit, très bien. Le résultat des prédictions est oui aise. Très bien. Très bien, très bien. Mais écoutez, bravo à ceux qui ont... qui m'ont fait confiance. Les autres... qu'est-ce qu'on pourrait leur mettre? Sucez-moi la bite, bande de salopes! Avec le respect, évidemment. Oh, yes, sir. Merci pour le Prime, Valao. Salut la Team Pocket. Comment on va? Morsure du froid, brûlure du feu. Ouh, en voilà un titre bien philosophique. Ah, je l'aime bien celui-là en plus, ouais. J'aime cette dualité, cette dichotomie entre le froid et le chaud. Je connais cette théorie. En vrai, il est stylé celui-là. Je crois que c'est la première fois que je crève de cette... Non mais je veux juste aller sur la plateforme! J'ai mal! Bon allez, ça m'a saoulé. Foutue plateforme de merde. Piège à con. C'est bon. Ça m'a saoulé. Ah mais on me dit pas, la gravité est active ici. On me dit rien, on ne me dit rien. Voilà, on ne me dit rien. Hein. En fait, il n'y a aucune indication visuelle qui t'indique que la gravité est présente ici. C'est une erreur du game design. D'accord ?
C'est une erreur du game design. Ce n'est pas ma faute. D'accord ? Ce genre de gars, c'est... Stop ! Non, c'est pas possible. J'ai peur. Oula, on va où là ? Bienvenue dans l'étoile noire. Oh, et le changement de musique, j'adore. Les petites touches comme ça que je kiffe. Attendez, là-bas, il y a un truc, là. Ah, par contre, c'est de l'eau froide. Ça, ça fait mal, ça. Ah non. Ça va, j'ai pied. J'entends. Et alors ? Qu'est-ce que ça fait ? Là-bas, je vois qu'il y a un autre truc. Ok. D'ailleurs, Savon, pourquoi l'eau peut brûler alors que le feu ne mouille pas ? Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Putain, Flagado Douce qui est encore... Il est pas tout seul dans sa tête, hein, Flagado Douce. Ah, Flagado Douce, il suce pas que des glaçons, hein. Oh, merde. Oh, la maîtrise. Quel skill. Oh, le changement de... Mais c'est incroyable. J'aime tellement ces changements. Ah, piège. Ah non, c'est bon. Je pensais que la lave allait monter. Ah non, elle est en train de descendre. Là, elle arrive. Alors, caméra 2. Merci. Il y a un truc là. Caméra 2. Voilà. Piqué, hein. Prendre de risque. Oh, la musique. La caméra, elle a dit non, ouais. La caméra a dit non. Alors, par contre, j'ai vu un truc, là. Putain. J'ai eu chaud. Là, il y a un truc à droite. Ici, là. Ouf, peut-être... ça pour une pièce. Vous foutez de ma gueule là. Vous foutez de ma gueule. Une pièce à la con. Oh là là. Ou c'est juste pour attirer les connards? Ah non, y'a un truc. T'as vu Ocarina of Time sur Unreal? Ouais, je l'ai vu, ouais. Bon, c'est très beau, hein. C'est très sexy. C'est très sexy, mais... Enfin non, c'est sexy. Après, c'est sûr, c'est pas une DA très originale, quoi. Mais c'est sexy. Moi, je reste dans Zelda comme ça, hein. Enfin, pas exactement comme ça, parce qu'il y a des effets d'ombre et de lumière dont je suis pas très fan. Mais fait par un fan, mec, c'est incroyable. Ah, d'accord. Mais de toute façon... Un jour, il est clair qu'on aura un remake d'Ocarina of Time, hors console portable, et que ça se vendra comme des petits pains. Ce sera peut-être plus ce monde, mais un jour... Il y aura un remake de ouf. La caméra, s'il te plaît. Bordel.
L'Akitu qui boit trop, exactement. On va le foutre au chômage, lui. Ça devient un peu chiant, ce bruit, là. Ça devient un peu chiant. Je t'avoue. Ah ouais, il est très beau, hein, le Zelda sous sonnerie. Hein. Ah, vous y avez cru, hein. C'était une petite boutade. Donne-moi de la vie, toi. Merci. La vie, j'en ai à la foutre. Ça sent le piège à con. Pique l'étoile! Non, trop bien le bruit du 1 d'énergie, tu chipotes. On me le banne. Merci Valao pour le Prime, je sais pas si je te l'ai dit. Comme d'habitude, hein. Je préfère vous le dire deux fois plutôt que ne pas vous le dire. Au cas où. Merci pour les GG, on rentabilise les mots mascas, c'est très bien ça. Écoutez, parmi les étoiles disponibles, il nous reste que celle-ci. On va la faire. Je crois qu'il y a un boss là, non? Tu as entendu la rumeur comme quoi TPHD et Wind Waker HD seront portés sur Switch cette année. Alors, cette année on l'a une fois par an les gars, cette rumeur. Cette rumeur on l'a une fois par an. J'espère pour vous, parce que moi je m'en bats les couilles, je les ai déjà sur Wii U. Mais j'espère pour que... Pour ceux qui n'ont pas pu le faire sur Wii U, j'espère... Que ça finira par arriver. Pourquoi pas cette année? N'oublions pas que Nintendo, depuis quelques années, ils ont ce délire de sortir un Zelda par an. Breath of the Wild étant décalé à l'année prochaine, il y a effectivement fort à parier que le Zelda de cette année, ce soit Wind Waker HD et TPHD. J'espère pour vous, encore une fois. Moi, je les ai déjà, mais... C'est quand même dommage qu'ils restent sur une console qui s'est pas vendue, ouais. On est bien d'accord. Ce serait cool. Et cette rumeur, encore une fois, on nous la sort tous les ans, quoi. Donc mieux... Ah oui, c'est cocasse. Mieux vaut ne rien attendre pour pas être déçu. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Ridicule cette mort. Ridicule. En plus, ils mettent bien les ombres hein, sur le sol. C'est ma faute. My bad. J'avais mon doigt de pied. Sous la roche, c'est ma faute, excusez-moi. Allô ? Voilà. Et toi tu m'énerves. Ça dégage. Allez. Je verrais bien Zelda Oracle et Season. Ah ouais, un remake de ces deux-là ? À la manière de Link's Awakening ? Pourquoi pas, hein ? On verra. On verra. Mais effectivement, ce serait logique. Que cette année ce soit effectivement Wind Waker HD et TPHD, on est d'accord. Y'a rien là? Je sais qu'il y a un coffre. Il est où le coffre? Nion, nion, nion. Un nouveau Zelda même avec l'annonce de Breath of the Wild 2, c'est à dire on n'a jamais dit l'inverse hein. No no no. Ah je peux pas faire, ah je peux juste faire un triple saut, ok. Ils peuvent très bien te sortir un Hyrule Warriors ou un truc du genre hein. Un remake ou justement la compilation TPHD ou Wind Waker HD, ce serait cool en vrai. Après moi encore une fois ils ont déjà fait hein. J'ai déjà fait. D'ailleurs, j'avais utilisé Wind Waker HD pour le en vrai sur Wind Waker. Et pour le coup, le remake de Wind Waker HD était très cool. Hein. Supérieur à celui de TPHD, puisque Wind Waker HD, t'avais vraiment des nouveaux effets de lumière et d'ombre.
Et des nouvelles musiques, enfin t'avais des musiques, les musiques d'avant, mais réorchestrées. Vous avez rebossé les musiques. Et tes PHD, bah c'était juste un lissage HD quoi. Sans nouvelles musiques, sans rien. Pour le coup, une Ogre HD était cool. Tes PHD aussi hein, mais il y avait juste moins de boulot quoi. Oh putain, mais c'est pas possible hein. Ok, elle est là. Je retiens. Elle est là. Et il y a la voile niveau 2, effectivement. Il y a la voile rouge qui permet d'aller super vite. Et je crois qu'ils ont raccourci la quête des morceaux de la Triforce. Ou je dis des conneries, non. Alors, je crois pas qu'ils l'aient raccourci, mais je crois qu'ils ont fait un truc. Mais il y a la voile rouge, effectivement, ouais. Et j'aimerais bien faire Wind Waker HD à 100%, parce que je crois que Wind Waker... Je ne l'ai jamais fait à 100%, jamais. J'ai jamais eu tous les quarts de cœur, les gars. Pourquoi pas faire ça en live. 190 francs. Oh là là, ce n'est pas possible. Merci pour les bits de Lila. Il y a moins de cartes à obtenir, ouais, ce qui me semblait. Ils ont raccourci la quête, ouais. C'est ce qui me semblait. C'était un peu le défaut de Wind Waker de base. Enfin, moi, je vous rappelle, à l'époque, ça m'avait pas tant dérangé que ça. Ouais. Allez. Merci. Il me faut ma dose. On a parlé de Wind Waker, il me faut ma dose. J'en ai besoin là tout de suite. Il me faut ma dose. Quel jeu. Putain. Encore une fois, c'est pas mon premier Zelda. Mon premier Zelda, c'est Link to the Past que j'avais adoré. Mais le jeu qui m'a vraiment fait dire, ok, c'est ma série préférée. Il faut que je m'intéresse aux autres épisodes quand j'étais gamin, c'est Wind Waker. Quel jeu. Qui était pourtant très boudé à sa sortie. Alors faut que je les fasse aller en haut. De toute façon, ça c'est le syndrome Zelda. Il y a beaucoup de Zelda quand ils sont sortis, tout le monde les aimait pas, enfin personne ne les aimait. Puis après, quelques années plus tard, ah bah non, moi j'ai bien aimé, écoutez, j'ai bien aimé. Le seul avec qui ça fait pas ça, il y a eu ça pour TP et Wind Waker. Mais pour Skyward Sword, il n'y a pas eu ça. J'ai l'impression que le jeu est toujours majoritairement mal aimé. À tort. Car le jeu reste bon. Même s'il a beaucoup de défauts. D'accord. Allez, meurs. Oh putain, t'es sérieux? Allô? Allez, ça crève. Ça dégage. Voilà. On rappelle hein, qu'il n'y a toujours pas eu de test en carton sur un Zelda depuis 2 ans. On le rappelle. Toujours bien de le rappeler. Quelle indignité. Le mec, c'est sa série préférée et pas de vidéo dessus, quoi. Ça me dégoûte. Si je pouvais, je me désabonnerais de ma propre chaîne. Quelle honte. Et quelle honte. Xenoblade 2, il est encore sous blister, toujours. toujours. Je sais en fait que ça va me prendre beaucoup de temps, Xenoblade, et c'est pour ça que c'est pas la fois de le commencer. C'est juste par manque de temps, hein. J'ai envie d'y jouer, hein, mais on le fera peut-être en live. Mais je sais que ça va durer une centaine d'heures. Wow. Ah ! Qui m'a parlé de Xenoblade? Il m'a déconcentré, on me le banne.
N'oublie pas qu'il y a le 3 à faire après. Oui, d'ailleurs aussi, ouais, effectivement. Le 3 qui a vu sa date de sortie avancée. C'est assez rare pour le souligner. Mais je me disais, c'est bizarre quand même. Pokémon, Xenoblade en même temps à la fin de l'année. Pfiou. Allez, concentrons-nous. Prends la petite vie. S'arrête pas, hein. Facile, easy. Allez, GGS tuto, je t'ibague le sable, je t'ibague et allez, on prend l'étoile et ça dégage. J'ai t'ibague les sables mouvants. Y'a quoi? Sozoen n'a pas été boudé à sa sortie. Oui? Mais personne n'a dit ça. Non, non, moi je parlais de Twilight Princess et de Moonwaker. Alors on a tout fait. Ah non, attendez. Alors, il y a une étoile cachée. Il y a un délai fixe entre les sorties de vidéos où tu les sors juste quand elles sont prêtes. Bah le délai il est pas fixe mais il est à peu près de 3 semaines. 2 semaines et demi, 3 semaines. Sauf quand la vidéo est vraiment longue à faire. Typiquement celle de Arceus, elle fait 14 minutes. Mais là la prochaine vidéo elle arrivera 2 semaines après la dernière. Normalement. Test en carton 101 arrive la semaine prochaine. Si tout se passe bien, si tout se passe bien. Eh oui. Je suis déjà sur 102 là. Oula. Je vais faire le pont. Alors, il y a une étoile cachée. Ici. Mais pour le coup, je vois pas du tout où elle peut être. Donc, soyons observateurs. Eh merde, j'ai raté le champignon rouge. Où est-ce qu'elle pourrait être? Ah oui, il y a une autre île là-bas. Là. Là-bas, il y a une autre île. Putain, je vais essayer de recommencer ce délire là. On va voir. Tu joues encore à Mario Kart 8. Ça m'arrive. Ça m'arrive. J'ai pas testé les DLC là. Pas encore du moins. J'ai vu qu'il y avait l'une de mes courses préférées de tous les temps, le supermarché Coco de Mario Kart Wii. Ah merde, il était là-bas. Ok. Le supermarché Coco. D'ailleurs, j'ai vu que c'était des mascasses maintenant à la place d'Emmy. Si ça, c'est pas beau, dans les voitures. Ah, il était là. Je l'ai vu. Aïe. Ah, vas-y, dégage. C'est chiant. C'est chiant. Calme-toi. Sur les courses, il y en a pas mal de bof quand même. Les 8 courses, c'est-à-dire. Ah, ils en ont dévoilé que 8 pour le moment. Je pensais qu'ils sortaient tout d'un coup, mais non. Ils vont les sortir au fur et à mesure. Calmez-vous, calmez-vous. Allez. Regardez, c'est des fans.
ils sont cons. Regardez-moi ça, les Skellrex, quoi. Les pauvres, ils sont déjà morts. Ils se raccrochent à la vie. Ils font ce qu'ils peuvent. Regardez-moi ça. Ces Koopas, ils sont morts et ils bossent encore, quoi. Vous voyez? Ça, c'est la retraite à 65 ans, hein, je reconnais. Hein. Je reconnais bien, là. Ah, il est là, le dernier, alors. Eh, y'a Kelly Maro. Je connaissais pas cette zone de Genshin Impact, on dirait presque Mario Galaxy. On me le banne. Et y'en a un autre qui dit, ils font pas de vieux os. On le banne aussi. Oh là là, cette musique. Putain, Mario, c'est vraiment... ça fait vraiment partie des séries qui ont les meilleures musiques, y'a pas à dire. Bon, ça c'est l'étoile normale. Bon, là je t'avoue qu'on revient au point de départ en fait. Où est donc l'étoile bonus? Ça c'est la run normale, on l'a déjà dépassée je pense. Je vais voir. Attends, je vais attendre que tout. Que la planète ici se réduise. C'est peut-être ça. Attendez. C'est peut-être ça, non? Attendez, je vais attendre que ça baisse. C'est pas ça. Je pense pas. C'est pas toi là? Non, ça c'est une vie, ça. Ah. C'est peut-être ça. Oh là là, mais quel skill, putain. Attention, les anecdotes de Kinemaro qui sont totalement vraies. Shigeru Miyamoto était joueur de triangle au conservatoire d'Osaka. C'est pour ça que les musiques Nintendo sont de qualité. Et après tu te demandes pourquoi t'as perdu ton badge VIP? On me le banne. Des informations. Ça c'est bizarre quand même que... En vrai... Attends, je vais retester de passer... Oula, attends. Oula! Ah merde! C'est quand même bizarre que Kinemaro soit plus VIP en vrai. Non, tu vas vraiment m'obliger à remonter là? Attends, j'essaie de l'attirer comme ça là. Bien. Oh là 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 là, mais c'est pas possible d'être aussi fort quoi, putain. D'être aussi méthodique. 20 ans de jeux vidéo, quoi. Ah, ça se sent, là. Hein. Ah, là. Ah, tu me diras, l'étoile, je m'en bats les couilles. Je ne respecte pas le jeu. Je suis pas si important que ça, faut croire. Mais non, Kinemaro, c'est le bro. Attendez. Alors, est-ce que je peux essayer de remettre VIP Kinemaro? C'est bizarre quand même. Bah. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais je crois en fait. Je crois qu'en fait, il est déjà VIP, mais il n'y a juste pas le badge. C'est un bug visuel quoi. Kinemaro est déjà VIP sur cette chaîne. Mais Kinemaro! Qu'est-ce qui se passe, Kinemaro? Déjà VIP pourtant, je comprends pas. Putain. Je ne serais pas un fan du Hooper par hasard. Je suis pas fan, non. J'aime pas ce mot.
suis fan de création et d'œuvre, mais fan de quelqu'un, je trouve ça un peu chelou, moi. Mais sinon, si. J'aime beaucoup Hooper. Depuis que je suis gamin, je regarde. Bah d'ailleurs, je crois que c'est le seul streamer que je regarde... Parce qu'il est streamer maintenant. C'est le seul streamer que je regarde un tour soit peu maintenant. Même si j'aime beaucoup aussi d'autres streamers comme Zera, MV, Aldé. Y'a que Hooper que je regarde... un minimum. Hooper, le papa des vidéotesteurs francophones. Ah, c'est un fondateur, hein. C'est la base. Sans lui, j'aurais probablement pas joué à certains jeux hein, dans mon enfance, clairement. Allez, dégage. Merde. Qu'est-ce qu'il y a ? Merde. Eh, c'est contre la montre, Mario, hein. Allez, allez. Oh non. Oh non, j'ai échoué. J'ai échoué ! Si si, Manuel Ferrara, ça m'est arrivé de regarder ses streams parfois. C'est vrai qu'en vrai je suis pas très consommateur de Twitch en vrai. Je regarde des fois mais genre 10 minutes par jour quoi. Le streamer qui regarde pas les autres streams. Quel égocentrisme putain. C'est incroyable, on a jamais vu ça bordel. Merci pour le deuxième mois, Gaby. Ah, ça y est, les gars, ça veut dire que ça fait plus d'un mois qu'on stream. Putain, il commence à y avoir des deuxièmes mois et tout, quoi. Putain. C'est émouvant. C'est émouvant. Un mois que Kilimaro est VIP qu'on le voit pas. Bordel. Oh non. Ok, j'y arrive. Ça va te faire foutre. Non, mais quand je dis 10 minutes, j'exagère. Quand je bosse sur mes vidéos, je mets ça en fond. Je regarde ce qui passe. C'est marrant, mais moi je regarde plus des petites chaînes que des grosses chaînes. Enfin, des petites chaînes. C'est relatif, hein, mais. C'est vrai que les chaînes de 10 000 joueurs et tout, je suis pas un grand consommateur. Bah alors. Mais même avant, en tant que viewer, d'ailleurs, je me considère toujours comme viewer aujourd'hui. Quand j'étais en 2013-2014 sur Twitch, moi je regardais tout le temps des streamers genre à 50 viewers ou des trucs comme ça quoi. Tu peux plus parler aux streamers, c'est plus cool. C'est plus cool, ouais. Des petites chaînes genre Gotaga, ouais. Mais je pense que Gotaga il va percer un jour moi. Il a beaucoup d'avenir. Ah, il a pas encore mon level mais bon, ça ne saurait tarder. Salut Fatman. On se dirige au bon endroit là. Parce que je vous parle mais ouais, il y a la flèche, ok. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Ça va être serré, hein. Niveau timing en vrai, là, non. Putain. Pas de panique. Merci, Renard, pour le sub. Allez, ne perdons pas espoir. S'il te plaît. Allez. Allez, Mario, pour Peach. Allez. Non, pas le bon, ok. Ok, la caméra. Ok. En plus c'est bien, ils sont gentils, ils nous ont enlevé les tornades. Alors attention, ici on tombe tout le temps. Bon finalement ça va. Pas de panique. Genre ici c'est plus sympa que chez des mecs à 10k. Oh non, je pense pas. Je pense que c'est différent, y a pas mieux. C'est les préférences de chacun hein. Mais il y a beaucoup de charme aussi à aller sur un stream où il y a du monde, parce qu'il y a une ambiance de malade et... Enfin t'imagines, t'as 10k viewers, tu butes Malenia, il y a une ambiance de folie je pense. Non, je pense que c'est juste différent, il n'y a pas mieux.
Chacun a sa préférence. Pour le moment, moi je trouve ça cool, on peut parler un peu. Ça me va très bien. Twitch, pour rappel, c'est pas mon activité principale. Je trouve ça déjà énorme qu'on soit... On est combien là ? Ah oui, putain, on est 850. Ah oui. C'est... Ça rapporte, hein, les streams Tetris 99 Galaxy. Bon, après, on est dimanche, tu me diras. Merci pour le sub, BH Mada. Pourquoi je dis BH ? Chaque fois, je dis en anglais. T'as speedrun au niveau des tombes ? Ah, speedrun, j'en sais rien, mais... En tout cas, on l'a first try. Le niveau où faut pas mourir, où on a un seul point de vie sur les troncs. Je t'avais raté, toi. Je l'avais raté, le coquin. Salut, Pépé Yarik. J'ai soif. Putain, pourquoi j'arrête pas d'avoir soif ? Incroyable. Trop de parlotte. Merci pour le S pour le Prime. T'as, vous rendez compte ? Un mois qu'on stream. Si on avait dit à Seven du passé qu'un jour il streamerait, il dirait merci pour le Prime, merci pour le sub, merci à vous. Il aurait pas cru. Enfin, le vrai Seven, parce que rappelons-le, je suis le faux Seven. Hein. Je ne suis qu'un fan qui a pris son pseudo. Ne l'oublions pas, évidemment. La planète du poisson antique. Dans mes souvenirs, c'est de la merde ce niveau. Je ne sais plus. Attendez. Toi, donne-moi ta vie. Merci beaucoup. Putain, il faut qu'on fasse Kirby aussi en live. Ah, je pense que ce sera pas ça le live de mercredi, du coup. Mercredi 16h, hein, le prochain live. Peut-être demain, j'en sais rien, mais partie du principe que ça sera mercredi 16h. Celui de demain, ça sera du bonus. Voilà. Ah non, il faut la... J'allais dire la carapace dorée, mais attends, on est sur Twitch. Il me faut la gold shell. Il me faut la gold shell. Alors, je suis on the way, là. Ouais, je vais aller underwater pour aller chercher la gold shell. Ouais, je suis underwater. Ok. On spin sous underwater, ouais. Alors attends, j'ai eu un nouveau sub, mais il s'affiche pas du côté gauche là. Putain, j'ai raté son nom. Alors pourquoi le sub qui vient d'arriver ne s'affiche pas sur ma liste à gauche ? Quelle indignité. Je ne peux pas lire son pseudo. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je suis déco ? Bah non, attends, je suis pas déco. Qu'est-ce qui se passe ? Bah merci pour le sub, mais je vois pas son nom. Ou alors c'est Paul S qui est arrivé en retard. Ah non, voilà, il est là. Oh, yes, sir. Merci pour le Prime, Stone Raven. Je me disais, c'est quoi ce bordel? Ah, on a la Gold Shell, ok. Ok, on explose les bubbles pour récupérer un peu de vie. Ok, je me prends la Tornado, c'est pas grave. Ok, d'accord. Ah, super. Puis après, je passerai à la boulange, histoire d'acheter une petite bague. Ok, d'accord. Moi, je me rappelle dans mon ancien taf, il y en avait qui parlaient comme ça. Oh, mais putain, mais. Mais attendez, mais c'est pas là que je dois aller. Mais quel est ce maléfice? Oh, les bougies! Oh, tous les bouts qu'on a ici. Ouais, Seven, j'ai bossé sur la reco de la marque qui nous a demandé une reco. Voilà. Tu peux vérif et je te dirai quoi. Merci. Ouais. Ouais. Oh, yes, sir. Merci Dark Raven pour le sub. Alors j'ai vu qu'il y avait des petites étoiles en bas. Ça doit être l'étoile bonus à tous les coups. Oh. Ok. Pam 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 pam. Niveau assez simple. Non mais attends, mais commence pas à mésestimer mes capacités, ok, t'es en train de tout casser. Faire croire aux viewers que c'est incroyable ce qu'on fait, les gars. Attendez.
sont en train de me trahir. Ah oui, c'était toi, Pépé Yarik. Désolé pour les abeilles, mon souvenir était flou. Elles avaient plus un côté sadique, finalement. T'as regardé la rediff ? Oh, elles avaient un petit côté flippant, hein. Avec leur grand sourire. Du coup, allez. Cuisine, salle de bain. Attendez, Attendez. Qu'est-ce qu'on vient de faire, là ? Putain, c'est quoi le niveau qu'on vient de faire, j'ai oublié. Et merde. C'est pas lui, là ? C'est lui ? Là, c'est lui ? Alors du coup, non, il n'y a pas d'autres étoiles. Attendez, je vais vérifier parce que j'ai cru voir un truc en bas, là. Attendez, je vais aller vérifier. Alors donne-moi ça, toi. Prochain texte, j'ai dit, il sera la semaine prochaine si tout va bien. Attends, j'ai besoin de dégager la carapace ou ça va ? Ok, ça va. Merci pour le Prime, Lord Mikatsushi. Ça, tu vois, il y a un truc en bas là, j'ai pas rêvé, regardez. Il y a des petites étoiles jaunes là. J'aurais peut-être dû garder la carapace, là, j'ai été con. Attends, c'est pas possible qu'il y ait une étoile bonus sur un Luma, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est juste un truc bonus à la con. Tu vas être déçu. Ouais, je sens bien. Je sens que c'est juste de la merde, juste des éclats d'étoiles. Ou une vie. En fait, c'était le moyen normal d'aller au-dessus. Voilà, c'était le moyen non Seven. Très bien. Oui, parce que comme un con, j'y ai été en mode raccourci. Merci pour le Prime, McKaden. Écoutez, c'est pas grave, hein. Ça arrive, hein. Écoutez, on va pas tout avoir. Hein. Ça arrive. Allez. Bah non, du coup on a tout fini ici. Non mais ça m'abeille parce que en bas, sur la carte, en gros, ça te disait que tu n'avais aucune étoile. Enfin que tu n'avais pas fini à 100% les mondes. Ça m'abeille. J'ai pas moyen de voir la liste des étoiles là. Je suis obligé de parler au Luma aux yeux bleus là. Le bras droit d'Harmonie. Ah mais attendez, je viens de me rappeler d'un truc. Il faut pas finir une fois le tout dernier monde où il y a Bowser pour que toutes les comètes arrivent. Ah. J'avais oublié ce petit détail. Ouais. Il y en a qui me disent oui dans le chat. Je crois qu'il faut finir le jeu une fois. Je crois bien qu'il faut... finir le monde. Aïe aïe aïe. Ah c'est uniquement pour les comètes violettes. Ah mais il doit y en avoir plein. Écoutez, on va faire le dernier monde. Contre toute attente maintenant. Pour débloquer toutes les comètes. Puisque le but est de finir à 100% le jeu.
faire le dernier monde. Pour débloquer les étoiles restantes. Sans les comètes violettes, il y en a en tout 105, ouais, donc il faut vraiment que je fasse le dernier monde. Parce que je me vois mal enchaîner 15 étoiles aux pièces violettes, là, ça va être chiant. Allez! Emmène-moi! Ah. Emmène-moi. Bah alors? Salut Zirigno. Oh, la cinématique. La cinématique culte. Ah, je me rappelle de ce montage. Si vous avez la ref. Du test en carton dans la galaxie. Je me rappelle très bien de ce que j'avais mis à ce moment-là. Je suis... Le mec qui saute dessus. Il y en a quoi la ref, ouais. Oh, cette cinématique! Go, Mario. Et c'est depuis ce jeu qu'ils ont pas arrêté de nous foutre harmonie à toutes les sauces partout. Et parfois à la place de perso plus important. Daisy, si tu nous regardes. Bon, après, je pense que Daisy, elle va être dans le prochain Mario Football en débloquable. Allez! Le destin de l'univers! C'est parti! Ce qui n'est pas le dernier monde pour nous, puisque pour rappel, le 100% nous attend. Oh, la musique! Dingue. Ah. Ça dégage. Ouais, la zik est stylée. Putain, mais sortez un Galaxy 3, les gars, sérieux. On s'en bat les coups s'il n'y a pas de nouveauté. Je suis dead. Ah, là, je me suis bien rattrapé. Même ce level est une bonne idée. C'est bourré de bonnes idées. Quel jeu. Toujours mon jeu de plateforme préféré à ce jour, hein, avec le 2. Du moins en 3D. Pour le jeu 3D. Ouais, mauvaise idée, tant pis. Mais ça se détruit cette merde, j'avais oublié. Ah, petite protection, le bon réflexe. Je vais y tomber.
Mais pourquoi tu sautes pas, Mario? Oh, Mario. Mario, pas comme ça. Pas après tout ce que tu as fait. Il a pas sauté, le con. Ouah, il est pas content, lui. Oh, ce Bilbo, qu'il est méchant. Oh, il est pas content, celui-là. Instinct. C'était calculé. Ah, c'est déjà la fin? Ah merde, dans mes souvenirs c'était plus long. Je dois confondre avec l'un des derniers niveaux de Mario Galaxy 2. Attendez, mais il est immense, Bowser Junior. Attendez, mais il est immense. Son nez, ça fait la taille de la tête de Peach. Attends, dans Mario Golf et Mario Kart, il a pas ses proportions, là. Il est immense, le truc. Alors, c'est moi qui suis bourré, il a toujours eu cette taille, mais... à côté de Peach, c'est choquant. T'as regardé Bowser, ce Chad, il fait rien pendant que ses enfants font tout, putain. Quel Chad. Allez, le combat final. Il a bien grandi, ouais. Un peu de soupe. C'est peut-être Peach qui est petite. Ouais, non, je sais pas, Bowser Jr., je trouve vraiment énorme, là. Parce que Mario est plus petit que Peach. Parce que je me rappelle, Bowser Jr., la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans Mario Golf. Et dans... Comment dire? Mario... comment ça s'appelle? Bowser's Fury. Et Bowser Jr., il n'était pas aussi gros. Hein. Oh, il a son petit masque de Mario Sunshine. Ça, c'est de l'objectif original, ça. Ouais. Toi, t'es Freezer, toi. Il est vraiment classe, Bowser, hein, dans Mario Galaxy, je trouve. Il a vraiment bien réussi. Alors, attends. Il y a un problème. Ah non, il n'y a pas de problème. First Run 8. C'est loin d'être fini, mais... No 8, hein, pour le moment, j'ai envie de te dire. Bam, 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 bam. Allez, dégage. Ça speedrun, hein. Ça speedrun. Et... Oh, ça a touché. Contre toute attente. Je l'enchaîne. J'ai le temps de rien faire. Allez, le vrai combat final. Phase 2. Tel un boss de Dark Souls. Oh, la musique. Là, il y a des cœurs. Tu sais que ça rigole. Oula, c'est nouveau, ça. Je sens que le mec il a joué 30 fois au jeu. Ça, c'est pas un boss non plus d'Elden Ring, on est d'accord. Là c'est un peu chaud, là, je t'avoue. Ouh, ça me touche pas ça. De la chance. Bonne RNG là. Bonne RNG.
J'aurais pas pu avoir un meilleur timing sur le Gemal. Oh là là, incroyable. Attendez. Attendez, laissez-moi faire la positional fighting. Eh oui, et d'ailleurs on s'est pas fait toucher une fois, hein, je tiens à le dire. Oh la musique, je m'en rappelle. La musique d'Egg Planet. C'est bon putain. Mario, c'est le moment. T'es avec ton crush. C'est le moment. Dis-lui, maintenant. Maintenant. C'est un bordel. Sur cet extrait, il m'a toujours fait de la peine, Bowser, je sais pas pourquoi. Putain, ce fond d'écran là. Il est vraiment stylé, Bowser, hein, dans Mario Galaxy, vraiment. Et on meurt tous, c'est parti! Mon royaume! Merci Naka pour le sub. Oh, yes, sir. Ah, qu'est-ce que je kiffe ce jeu, putain. Cette cinématique qui m'a marqué, moi aussi. Tu vois, c'est ça qu'il y a de mieux dans Galaxy 1 que le 2. Qui fait qu'ils sont au même level. Non, mais il y a un problème au niveau des proportions, les gars, là. Faut faire un effort. Dans le 1, t'as vraiment une ambiance particulière. Ah, c'est insupportable, mais faites les taire. Mais putain, mais faites les taire, c'est insupportable. Mais il va la fermer sa gueule. Ouais, l'observatoire est totalement. Mais je disais, le hub central, l'astronef d'Harmonie, il y a vraiment une ambiance particulière. Encore une fois, je ne retrouve pas dans le 2. On est bien d'accord. Attends, mais c'est ultra triste là ce qu'il est en train de dire. Dans le 2, Yoshi, on lui fait manger des piments. Et oui, effectivement.
Ça rajoute des points en deux. Merci Greg le Gamer. Non, salut Greg le Gamer. Putain, j'ai cru que c'était sub. De quoi y a Polo là? Qu'est-ce qu'il vient squatter sur la terre? Le mec m'insulte. Rentre chez toi, frérot. Qu'est-ce qu'il fait là, Polo? Rentre chez toi. La reine abeille aussi, mais casse-toi. Dégage. Allez, on me les banne. Attends, y'a même des méchants de Bowser, mais vous foutez de ma gueule. C'est bon. Ah bah oui, bah y'a Bowser carrément, d'accord, ok. Allez. Vous avez cru que c'était un Disney ou quoi là? Je suis pas à Miami avec les méchants moi. Mais pourquoi c'est lui que tu regardes? C'est moi qui viens de te sauver, merde! 25 ans que je me casse le cul à te sauver, regarde-moi un peu! Putain! 35 même! Ah là là, quel jeu! Oh, quel jeu incroyable! C'est fou! Bon, attendez, c'est pas fini, hein. Il nous manque 40 étoiles, hein. C'est loin d'être fini. Y'a pas moyen de passer le générique, parce que le générique, je le laisse tout le temps, par respect, mais là, on va se le retaper dans quelques heures de jeu. Donc, voilà. On ne peut pas. Merde. Oh putain, ça veut dire qu'il va falloir que j'anime le stream. Oh putain, c'est compliqué. Je suis youtubeur et streamer, moi, mec. Hein. Moi, pas trop m'en demander, là. Compliqué. Tu vas faire les 120 de Luigi ou pas? Ah non, non, non. Non, non. Je ne pense pas, non. Je vais, par contre, je vais sauvegarder avant de commencer avec Luigi. Et peut-être qu'on fera les 120 avec Luigi. Peut-être dans 2 ans, quand on rejouera au jeu. Ça, pourquoi pas. Puisque c'est pas parce que je fais un jeu en live que je referai plus jamais en live. Je m'interdis pas de le refaire. Mais là, on va viser le 100% avec Mario déjà. Que j'ai déjà fait plein de fois, hein. C'est pas non plus... Quel jeu quand même, hein. Putain. C'est certainement mon jeu préféré de la Wii avec... Avec Galaxy 2. Et Twilight Princess, si on considère... Que Twilight Princess est un jeu, oui, mais non, pour moi c'est un jeu GameCube. À chaque fois ça fait le même effet, incroyable, et oui. Quel jeu, hein. Quel jeu de fou. C'était le bon temps. C'est le temps où Nintendo il faisait des bons jeux. Le vieux boomer, tu sais. Mais je ne perds pas espoir qu'un jour on ait Mario Galaxy 3, peut-être dans 20 ans, hein, mais... T'avais des gens qui disaient, ouais, on n'aura jamais Metroid Prime 4, au final on l'a eu. On ne sait pas, hein. On verra. Mais déjà le prochain Mario, moi je pense que ça sera un Mario qui s'inspirera de la formule de Bowser's Fury. Un Mario un peu open world, entre guillemets. Je pense que ça va s'inspirer de cette formule-là. Prochain Mario qu'on risque de voir dans pas longtemps d'ailleurs. Parce que Odyssey remonte à il y a 5 ans quand même, 2017. Donc logiquement, le prochain Mario, on devrait pas tarder à voir au moins un trailer ou une petite info. Je pense. Dans 20 ans, Miyamoto aura 89 ans. Oh, bah c'est pas ça qui va les empêcher de faire Galaxy 3. Hein. Ça fait un petit moment de toute façon que Miyamoto il est pas sur le côté, mais il a plus un rôle de superviseur que participe moins maintenant. Serons-nous là dans 20 ans? Je ne sais pas, Tati.
Attends, quelle est la moyenne d'âge des joueurs de Savon? J'ai regardé il y a pas longtemps sur YouTube. C'est 25 ans, en gros. On va dire que de 20 à 40 ans, ça représente 80% de la communauté. Mais il y a des gens de plus de 40 ans qui me suivent, effectivement. Satori Iwata, respect à toi. Une pensée pour Satori Iwata. Je viens de voir passer son nom. C'est le moment, les gars. Et bah de rien, frérot. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. La comète violette est apparue. Très bien. Ouais, il y a quelques joueurs qui ont en dessous 20 ans et au-dessus de 40 ans. Hein. Je sais, mais... La grosse majorité, c'est entre 20 et 40 balais. Vous avez vu la fourchette? Attendez. Allez, on est reparti. Allez, on a dit qu'on ferait 100 étoiles. On va faire 100 étoiles. Charles Martin est le boss. Alors, ce nombre indique la puissance stellaire nécessaire pour se rendre dans l'autre monde. L'autre monde en vert. Clin d'œil. C'est un monde où tu rencontreras un autre toi qui n'est pas vraiment toi. Je connais cette théorie, oui. C'est bon, tu mets l'autre monde en vert, tu peux dire Luigi, hein, c'est bon. Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est les impôts, c'est ça? C'est l'URSSAF? Non, c'est bon. Merci pour le Prime, Valrian. Allez, c'est parti. Le multiverse, ouais. Il y a une timeline où il y a un Mario méchant, quoi. Et où Bowser, c'est le gentil. J'aimerais bien un jeu où on joue Bowser... Un jeu, pardon. Où on joue Bowser. On l'avait joué dans les Paper Mario quelques fois, mais... J'aimerais bien un jeu dont c'est le personnage principal, quoi. Ça pourrait être sympa, hein. J'ai pas fait Mario Luigi au centre de Bowser. Je ne l'ai pas fait. Ah, on joue... D'accord, écoutez, je ne savais pas. Je ne l'ai pas fait, celui-là. Les Mario Luigi, j'adore. Mais j'en ai fait qu'un, que j'ai adoré. Merde, il y a du temps, je crois. Non? Non, c'est bon, là. J'en ai fait qu'un, c'est celui avec les extraterrestres Todd violets, là. Enfin, les champignons violets. C'était Partner in Time, non? Je sais plus. Et je l'avais beaucoup aimé. Et je me suis toujours dit qu'un jour faudrait que je refasse les autres. Ça peut être pas dégueu. Bon, les caisses violettes, c'est pas les meilleures missions. Hein. D'accord, c'est pas forcément meilleur. Je vais pas appuyer là-dessus. Et merde, oh cette musique. Oh cette musique, putain. Cette musique de fou. Bon, c'était rigolo 2 minutes. Ah, et ça ne me régène pas. Ah oui, d'accord. Ah si, d'accord. J'ai une petite pièce quand même. Ça aurait été un peu cocasse, là. Première mission comète violette, je crève. Ce serait un peu dommage. Est-ce qu'on a tout regardé? Normalement, on a pris toutes les pièces violettes d'ici. C'est bon, ok. Bon, écoutez, let's go. Yo, t'es sur Switch ou oui? On me le banne. T'es le vrai Savon. Non, comme j'ai déjà dit, je suis juste un fan en fait qui s'appelait Savon. Je le dis parce que quelqu'un l'a découvert tout à l'heure.
Et je me suis appelé Savon pour qu'il me remarque et me faire des vues sur son dos. Ne lui dites pas s'il vous plaît. À mon avis dans le chat il y en a... Il faut être propre. Ah je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Et sur Switch ou sur Wii, mais lisez le titre. Bordel. C'est compliqué de lire le titre. Y'a un problème. Là ? C'était là. Très bien. Alors. Bah non, c'était pas là. Enfin, ça nous a permis d'avoir les étoiles dans le ciel, mais... Enfin, dans le ciel. Dans l'espace, mais là... Je t'avoue que là, je sais pas où aller. Ah, faut prendre celle-ci, là, non ? Ouais. Mais quel skip, c'est pas possible. Bon. C'est pas les meilleures missions, hein, les comètes violettes, on est d'accord. C'est pas fou, hein. Ça nous permet d'apprécier les musiques une dernière fois. Attendez, on a toujours 85 étoiles? Il est 19h? Oh putain. Oh putain. On se dépêche, on a passé trop de temps sur Tetris 99. Certaines ont du challenge, mais certaines vraiment pas. Bah celle-ci était pas très intéressante. Après, dans mes souvenirs, il y en a qui restent pas dégueu. Par exemple, dans mes souvenirs, la toute dernière étoile pue la merde. C'est des pièces violettes que tu dois récupérer au royaume champignon, en fait. C'est de la merde. Alors, pas fini. Oh putain, hé, attends, il nous manque des... Planète œuf, il nous manque des trucs encore. C'est dingue. Ah, ah d'accord. Bon, on a une comète violette dans tous les mondes. Allez, allons-y. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais pourquoi tu mets ce poteau là ? La salle de bain. T'as débloqué les trois étoiles vertes, pas encore. Il nous en manque une. Moi j'aimais bien le côté chill de certaines, comme celle que tu viens de faire. Oui, mais Cyric, c'est parce que tu es quelqu'un de doux. Tu es quelqu'un de chill. Nous, on veut du sang, nous. Nous, on est des rebelles. On va au champ avec des sacs Carrefour. On met du Pepsi dans un verre Coca. On est des... Enfin... On est des gueudins, ici, nous. Les pièces violettes des éclats d'étoiles. Ah là, il y a du temps. Là, c'est chronométré, je crois. Ouais, c'est chronométré. Vu la gueule de la musique, c'est chronométré. 2 minutes. Vous foutez de ma gueule. Vous foutez de ma gueule. Attendez, mais c'est encore plus court que ma première fois. Vous foutez de ma gueule. Mais y a rien ici. Mais. Ça pue la couille là, est-ce qu'il y a un chemin qui va à gauche? Ah voilà, voilà, là je peux, ah, très bien. Okay. C'est de la merde. On va pas s'arrêter de courir. Allez. Faire pas espoir. Oula, c'est tout galère. Attends, mais j'en ai raté une là-bas là. Rien là-bas, attends, c'est de la merde. Oh la musique incroyable. Salut Angel. Piège à con, piège à con.
gros piège à... Ah. Attends, deux hommes encore. Ah mais elles sont là-bas. Il est bigleux le gars. Je vais tester. On se prend pas la tête, j'ai envie de te dire. Voilà. Ok. Très bien. 27 secondes. Bon, ça devrait le faire, on est large. Ah, va te faire foutre. C'est bon. Allez, on petit bague le temps. Voilà, on petit bague Galga. Ta gueule. Ça dégage. Merci pour le prime, Agrilid. Salut Emran, ça va et toi? Il y a plein de parties du level qui sont inutiles. Où est-ce que je viens de voir? Le jeu m'a feinté. T'as encore 13 étoiles. 19h, c'est compliqué, hein. Qu'il est lent. Qu'il est lent. Écoutez, oh putain, c'est dingue. Hein. Il faut qu'on fasse toutes les comètes violettes, je pense, pour... Ok, il y en a une à la terrasse, très bien. Le 100%, je vous l'ai dit, on va le faire. Oh, mais cette ambiance, putain. Ça me déprime de me rapprocher de la fin du jeu, quand même. Allez, dégage. Il nous manque une étoile verte, hein. Ouais, juste comme ça, gratos. Ouais, c'est sans raison, j'avais envie. Encore un tir au flanc. Il te manque aussi les étoiles de Luigi. Les étoiles de Luigi. Tu parles de refaire le jeu avec Luigi? Parce qu'on le refera pas. Hein. Je vais juste faire le 100% avec Mario. Et Luigi, on le fera. Je garderai la sauvegarde. Et Luigi, on le fera quand, du coup, je rejouerai au jeu en live. Dans 2 ans, probablement. Y'a du temps ou pas, là? Non, voilà. On va pouvoir chill. Alors, je me rappelle, voilà, quand j'étais gamin, j'arrêtais pas de crever ici. Voilà, ça a dû passer, c'est une merde. On est les meilleurs. Les meilleurs. Est-ce qu'il y a moyen de l'avoir sans le gros saut? Ouais, on peut. Très bien, une ligne ici. Vous savez que je sais même pas ce qu'on va faire en... En fait, je sais ce qu'on va faire en prochain jeu, en live. Mais j'hésite entre trop de trucs. Je ne vous dirai pas quoi au cas où, mais il y a beaucoup de jeux que j'aimerais faire en live là. Ça pour une pièce? Ok, c'est de la merde. C'est de la merde. Mario Kart Wii. C'est vrai que j'aime bien en plus. Hein. Oh les gars, timing! Attendez. Erreur technique, je reviens. Je remonte. Attendez, bougez pas. Ne bougez pas. Non, par pitié, Joachim, ne quitte pas le stream. Attends, Joachim. Tu vas pas regretter, regarde. Allez, le bon timing. Le bon timing. Alors, où est-ce qu'il est? Il est où? Ailleurs, ok, on y va. Voilà, Joachim, tu peux partir maintenant. Alors, Flaga de Douce nous dit bad timing. Allez. Allez. Alors, attendez. Hop. Allez, c'est les 600 secondes pour Flaga de Douce. Allez.
c'est bon. On me le banne, c'est bon. Attendez, ça va quoi. Ça va, le gars on l'attend, il sort ses poubelles. Soutiens pas, c'est bon. On me le banne. Oh la lenteur du truc. Bah au moins t'auras le temps d'aller sortir tes poubelles la Fagado douce, non? C'est cool. Merci pour le prime, Agridid. Attends, mais je te l'ai dit? Non, je te l'ai pas dit, je crois. Salut mon pote. Ah, que les bonnes refs. Ah, Jane Season Kabuto, d'ailleurs, j'aimerais bien le faire en live un jour. J'aimerais beaucoup. Le faire découvrir aux gens... ça me plairait bien. En plus, je suis sûr que... Enfin, la plupart des gens qui me suivent adoraient ce jeu. Ils l'adoraient, j'en suis sûr. Giant Citizen Kabuto. Certainement le jeu le plus drôle que j'ai fait dans ma vie. Une VF incroyable. Alors ? Ah. Avec Patrick Borg quand même, Emmanuel Garigeau. Il y avait du casting. Hein. Gilbert Lévy aussi. Les grands monsieur du doublage. Allô? Ah. Ouais, Jane Season Kabuto, je le ferai vraiment en live volontiers ça. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il branle? Ok. Alors. Ok, c'est bon là. Et son célèbre pétez-lui la gueule, effectivement. C'est de là que vient le pétez-lui la gueule. Ah sérieux, il y a moyen qu'on se tape des barres, hein, à jouer à Jiren Season Kabuto, vraiment. Ah ça, c'est les étoiles. Les développeurs, ils se sont dit, c'est pas assez dur. On va essayer d'en faire tomber un, là, ici, là. Les petits saligots. Qui sont méchants. Tu sais que si tu tournoies pendant une charge au sol, tu peux faire une super charge au sol qui te permet de viser automatiquement les trucs à défoncer. Ouais. Ouais, ouais. Je l'avais utilisé au début, Cyrix, mais... Je savais, ouais. C'est pas le move que j'utilise le plus, mais... toujours bon à savoir. Putain, on est qu'à 54 étoiles. J'ai envie de mourir. Attendez, j'ai raté un truc, là. Ça, ça nous emmène où, ça? Non, mais les gars, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Tiens, toi, je t'ai vu, toi. Je sais où tu te caches. Je t'ai vu. Attends. Concentration et doigté. Voilà. Pugnacité, sagacité. Fini. Il y en a encore un qui me demande si je joue sur émulateur. Attendez. Ok. Alors, on va mettre le mot Switch en majuscule. Mais en fait, ça se trouve, je crois que le titre est caché, non? On voit pas le... Là où il y a écrit Switch, ça se trouve. Mais si, on le voit. Merci pour le sub, Captain J-Kill. Encore une fois, une notif que je n'ai pas. Elle va sûrement arriver d'ici 10 minutes. Je ne sais pas. Ah, la voilà la notif de Captain J-Kill. Son deuxième mois. Je me rappelle encore sur les lives Elden Ring. Oui, c'est sub. Un viewer de l'ombre. Je ne l'ai jamais vu, je crois, sur le chat. Merci aux viewers de l'ombre. Vous et moi, on est pareil. C'est vrai, quand j'étais pas youtubeur et streamer, mec, j'ai jamais posté de commentaires de ma life. Quasiment jamais. J'ai dû en poster deux ou trois. Oh, le petit bruit d'insectes, là. Ça me rappelle l'été et tout. La nuit. Ah, c'était couillu. Alors, ça sent la merde. Ok, c'est bon. Bon, du coup, on a oublié des pièces violettes là-bas. Hein.
je sais. Ne vous passez pas, ça va bien vous inquiéter. Alors celle-là, voilà, elles sont chiantes. C'est chiant. C'est très très chiant. C'est très chiant. Parce que là, du coup, tu vas bouger. Non, je veux pas prendre le risque. Je me rappelle, j'avais essayé comme un con de monter sur le rebord et de monter par le rebord. Très très mauvaise idée. Tu perds toutes tes pièces violettes. T'es reparti pour 10 minutes. On va se calmer. On va se calmer. C'est pas le meilleur des levels, ouais. Pom 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 pom. Bon, 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 bon. C'est de la merde ce que je suis en train de faire. Reviens s'il te plaît, putain. Niveau passionnant, je vous l'avoue. Mais bon, Cyrix aime ses levels donc. On respecte. S'il aime, il aime. Hein. Chacun a le droit d'avoir des sales goûts. Hein. Il y en a qui aiment bien Pouf-Souffle, il y en a qui disent chocolatine. Il faut tout pour faire un monde, j'ai envie de dire. Hein. Il faut tout pour faire un monde. Salut Maxime. Alors attendez. Ok, 85 pièces. C'est là où faut pas mourir. Si tu meurs, tu recommences tout. Je peux te dire que là, t'es un peu vénère quand ça arrive. Ok, là il y a un truc. Bah non. Non, il n'y avait rien. Alors là, ça va être le moment un peu dur où il nous manque des pièces et je vois pas du tout où est-ce qu'elles peuvent être. Alors déjà, il nous en manque une, je sais qu'on a raté en tuyau en bas. Merci mon Achille pour le sub. Ah putain, oh, j'ai failli en rater une. Ça aurait été compliqué. Flaga d'eau douce a été des vannes d'ailleurs, du coup, parce que ça fait plus de 10 minutes, je crois. Comment ça va, Flaga d'eau douce? C'est poubelle alors. Merci Pete Live pour le Prime. Oh putain de merde, c'était pas ce tuyau là? Oh putain, t'es pas sérieux. Au secours. Oh je l'ai, ces pièces violettes, je l'ai. Bah, ce qui m'inquiète, c'est qu'il nous manquera quand même 3 pièces violettes, quoi. Ah, mais elles sont en haut. Je les ai vues. Je vous ai vu, les coquines. Alors, attends. Comment je peux rater ça? Aveugle man. Aïe. Ridicule. Tac. C'est drôle de voir galérer les gens des fois quand même. Oh, ça va, on galère pas là. Non, juste question de temps. C'est pas la meilleure des missions. Allez. Inou. Et merde. Attendez, est-ce que je peux remonter là par là? S'il vous plaît. Voilà, c'est ça le skill. Attendez, j'ai oublié où était le tuyau. Tiens, on va la faire fleurir. Voilà, parce qu'on est gentil. On aime la nature. On aime bien Okami. Alors, où est-ce qu'il est déjà le tuyau? C'est pas celui-là du coup. Hein. Non, il faut aller derrière. Merde, attends.
Putain, je sais plus comment on va derrière. Oh, yes, sir. Merci pour les deux mois, Soma. Là-bas, on a... y a rien là-bas, on est d'accord. Non, là-bas, y a rien. On va trouver. J'ai envie de regarder tout le chat pour le backseat. Pour éviter le backseat. Il y a du backseat sur Mario Galaxy, c'est beau ça. Attendez, laissez-moi me remémorer le délire. Ça dépend en vrai, certains niveaux ils sont hyper faciles et d'autres hardcore. Je suis d'accord, hein, y a des niveaux qui sont pas. Bon, ça reste pas non plus. C'est pas non plus hardcore, mais il y en a qui sont plus difficiles que d'autres, clairement. Donc ce tuyau, on dit non. Écoutez, je vais retourner en haut. Oh, j'ai mal à la tête. Je vais retourner en haut pour avoir une vue plus. Angulaire. Hein ? Pour avoir une meilleure vue. Tout sauf ça. Je veux pas recommencer ce... Putain. Je veux pas recommencer ce stage, tout sauf ça, pitié. Je vous en supplie. Je veux pas mourir. Je stresse plus que sur Malenia. Je vous en supplie. Par pitié, tout sauf ça. Tum tum. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Mais putain, mais... T'es bête, toi, hein. On est à la fin du jeu, il me dit ça maintenant, lui. Il est con. Qu'est-ce qu'il est con? La réponse est ici, messieurs, dames, j'en suis sûr. Putain, la mémoire de poisson rouge, quoi. C'est où qu'il faut aller, bordel? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Parce que le tuyau en bas il sert à rien, c'est de la merde, c'est de la grosse. Putain, j'ai failli tomber. Bon, c'est pas ici visiblement, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Mais putain, mais. Voilà, merci beaucoup. Le pire, c'est que quand je vais trouver, je vais dire ah bah ouais! Bah ouais! Ah bah ouais! Bah ouais! Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette merde là? Qu'est-ce qui m'arrive? T'en es à où? On est à 87 étoiles. Putain, mec, là j'ai un trou, là, je t'avoue. Bon, c'est à gauche tout en haut, tu descends sur les blocs, tu glisses sur la plante. Je descends sur les blocs? Ah oui, putain, c'est vrai, oui, effectivement. Ouais, effectivement, c'est pas un truc qui est facile à voir. Je l'avais oublié. Pom, 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 pom. Petite musique chill, j'ai envie de te dire. Au moins, on profite. Alors, c'est ici. Ok, alors, reste tranquille, toi. Ok. Alors, là, attention, il faut pas la rater. Parce que ça va vite. Ok, en fait, faut pas bouger. Très bien, on en a enfin fini avec ce monde. Quelle horreur. Quelle horreur. Pom 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 pom. Après Mario Galaxy, c'est mon premier jeu, donc je connais pas. Je connais par cœur. Donc je vais pas juger. Ah, moi je connais par cœur aussi. Là, je sais pas, j'ai galéré. J'ai galéré aussi.
De toute façon, dans mes souvenirs, je galère tout le temps hein, sur ce monde. J'ai beau l'avoir fait des dizaines de fois le jeu, toujours la galère. Ok, encore 12 étoiles, je crois. C'est ça? Ok. Alors, où faut aller? On va aller à la cuisine. Il nous manque toujours l'étoile verte. Hein. Bah c'est ça d'ailleurs. Ah non, les super étoiles, c'est les grandes. Ah oui, les fameuses étoiles de Luigi. Envoie-moi un email, frère. Ouais, si tu trouves une étoile, n'hésite pas. Hein. MarioGmail@. Il y a pas de comète. Ouais, c'est dans la cuisine qu'il y a des comètes. Ok. Quelle musique, je me répète, mais putain. Quelle musique. Ça, c'est l'enfance. C'est beau. Alors, normalement, il y a une comète ici. Voyons voir. Déprimant. Les pièces violettes du rivage est ancien. Oh là là, mais froid, plus dans l'eau et tout. Au secours, putain, au secours. Aidez-moi. Khan, au secours. Il y en a pas dans l'eau, hein. Il y en a dans l'eau. Il y en a dans l'eau. Mon Dieu. Et genre, Cyrix, ce stage aussi, tu l'aimes bien. Ce stage-là, tu l'aimes bien aussi. Ma gueule. C'est honteux. Oh, j'avais oublié que cette partie-là de Mario Galaxy était vraiment... c'était pas la plus passionnante, quoi. C'est pas non plus à chier, hein, mais c'est pas non plus le plus passionnant, quoi. Ok, normalement, en dessous de toutes les pièces, je vais aller voir du côté des grosses zombies. Caché là-dedans. Ah non, bah rien. C'est vraiment ta maison, ça? La merde. Merci, Max Sakira. Pour le sub. Ok, normalement, on a tout. Toutes les pièces qu'il y avait sous l'eau. J'espère. La caméra, s'il te plaît, la caméra. Oh putain Mario, qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît. Allez Mario, on va y arriver. Je crois en toi. C'est très bien. Allez, on a tous les deux joué à Sunshine, tu peux le faire. Allez.
C'était un accident, un banal accident de trapèze, vous connaissez. Va chier. Je te hais. Je t'aime bien. Ça va. On s'est rattrapé. Ah, j'ai misclick, excusez-moi. Ah, j'ai misclick, pardon, je suis vraiment désolé. Excusez-moi, j'ai misclick. Alors, excusez-moi. Ah, merde, putain, ah, je trouve pas le bon bouton, excusez-moi. Ça va encore chialer là, ça va encore dire que je baise. Que je bute les pingouins volontairement. Venant de mecs qui ont buté le bébé pingouin de Mario 64. C'est cocasse, c'est moi qui te le dis, c'est cocasse. Pourquoi c'est violet? Fortsart, t'as un problème avec les pièces violettes ou... T'as des propos intolérants? T'as des propos intolérables où il n'y a pas de tolérance là? Enfin, excuse-moi, mais... Enfin, pas de ça sur ce stream. T'as un problème avec les pièces violettes ou je sais pas? On me banne. Attends, mais il y a une pièce violette au-dessus de lui? Incroyable ça. Oh, oh la figure! Ce style! Ça va, reste tranquille. C'était une blague. T'as les baraques, ce pingouin. Regardez les gars, regardez. Regardez. Vous. L'ex de votre crush. Voilà, c'est gratuit. Enjoy. Pas gentil avec sa communauté, putain il a des subs quoi. Mais attends. Ce serait Twitter quoi. Je vais te cancel moi tu vas voir. Encore un tir au flanc, regarde. Regarde bien partout depuis. Non mais je sais. Je m'avais déjà dit. C'est bon. Oh le. What? Oh le bug. Un bug digne de Mario 64 là. Et putain, et en plus ils mettent le ressort, mais ils veulent m'achever hein. Ils veulent m'achever, merci Carvex pour le Prime. Ils veulent vraiment m'achever les gars hein. Qu'est-ce qu'il fait mais... Ah non. Allez, le saut mural s'il te plaît, il veut pas. Non, il faut le ressort, il est chiant. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, encore un pouf souffle. Ah oui, c'est Naruto, effectivement, ouais. Là, il est parti pour la zone 51, lui, là. Ah, ce pingouin, là, il est parti, là. Et c'est parti, les gars. Là, ils ont tout mis pour nous casser les couilles, hein. Ils ont tout mis pour nous... En plus, si je touche l'eau, je crois que je me détransforme. Oh, c'est bon. Et 79 pièces. Attends, mais ils nous en manquent une, là. J'en ai vu une, là. À gauche. Alors là, ça sent la mort. Là, c'est le piège à con. Oh là 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 là. Parce que là, juste derrière, il y a un trou. Oh, putain.
Ah. Petite baignade. Là, il y a une autre pièce. Oh putain, la pièce violette, c'est pas... Hein. C'est compliqué, hein. C'est pas... C'est pas le plus fou. Les montagnes à prestance. La grâce du lamentin du Saint-Laurent. Alors, est-ce qu'on peut monter direct ici? On peut monter direct. Ça va être long, ça va être très long. Avant de perdre le ressort, je vais prendre les pièces qu'il y a là. Hein. Je crois que tu as besoin du ressort pour prendre la pièce en haut. Là. Ah non, pas du tout. Ah si, 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 si. Ça, j'aimerais bien Life sur Rayman 3 aussi. Je sais pas pourquoi j'y pense, mais. Si Life sur Rayman 3. J'y pense parce qu'on parlait de Giant Season Kabuto tout à l'heure. Des jeux drôles. Des jeux rigolos, hein, pas des jeux drôles. Ça me fait penser que j'aimerais bien faire Rayman 3 en live un jour. Et le 2 d'ailleurs aussi. Le 1. Pourquoi pas? Si on veut souffrir. Hein, le 1, c'est pas le jeu le plus facile, je t'avoue. Et merde, il y en avait encore en haut. Putain, le 1. Oh, ça m'a traumatisé. Chez ma nourrice, on avait une NES et une PlayStation quand j'étais gamin. Et la PlayStation, on l'avait branché un après-midi. Je sais plus pourquoi il n'y avait plus la NES de dispo. On a joué à Rayman 1 avec un pote de l'époque. Écoutez bien. On n'a pas réussi à passer le niveau avec le mosquito. C'est-à-dire le deuxième. Voilà. Autant vous dire que quand on parle de Rayman 1, de douloureux souvenirs remontent. Alors ? Ah d'accord, donc tu m'obliges à prendre le ressort. Il se fout de ma gueule. Hein. Il se fout de ma gueule. C'est noté, très bien. Attendez. Ok, on est reparti. Quel manque de professionnalisme. Le professionnalisme à son paroxysme. Alors là, il y a sûrement des trucs. Ah ouais, putain, la dernière pièce, elle est hardcore à avoir, je crois. Elle est sur un palmier. Attendez, il m'en manque 3, là. Ok, alors. Concentration. Allez, doucement, doucement. Doucement, Mario. Oh non, va te faire foutre. Oh non. Allez, Mario. Ok. Moi j'y vais comme ça, je m'en bats les couilles. Oh, yes, sir. Merci pour le sub, Exo. Oh, j'ai échoué. Merci Shanti pour les GG. Elle a encore 11 étoiles. 11. Attendez, mais là on est à 3h20 de live. Non, en fait ça va. On tient les délais. Une lettre de Luigi. Ah. Il est con celui-là aussi. Il se demande encore pourquoi j'étais le préféré de maman. Oh, yes, sir. Merci pour le Prime, le Tox. Bon. Bon. C'est un peu ça, ouais. I'm stuck, bro. Help me. Bro, I'm stuck. Bon,
Moi, un truc qui me déprimerait, c'est qu'on apprenne que Mario et Luigi ne sont que demi-frères. Je sais pas pourquoi ça me déprimerait. Et pourquoi je pense à ça? C'est pas ça dans le film? Dans le film Mario? Ils étaient demi-frères, non, dans le film Mario? Je sais pas pourquoi je pense à ça. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ils sont bien frères dans le film. Je sais pas, j'ai un souvenir... Regardez, l'étoile la plus dure à avoir, regardez. Hop, hop. Allez, on enchaîne. Merci d'être passé. Ah, sacré skill, hein. Sacré skill. Allez. Encore 10 étoiles. Qu'est-ce que tu nous dis, toi? T'as pas une comète autre que violet? Pas te faire foutre. Cuisine, grenier, salle de bain. Allez, salle de bain, c'est parti. Oh putain. Au secours. Bon, Monsieur Miyamoto, on a que 100 étoiles. Qu'est-ce qu'on fait? Ah bah, il faudrait qu'on en rajoute 20. Voilà, pour le rappeler Mario 64, pour rendre hommage au truc. Rajouter des missions avec des pièces violettes, tiens. Ça leur fera les pieds, c'est con. Voilà, ce fut la dernière réunion de Nintendo. C'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Voilà, voilà. Oh non, putain. Oh non, celui-là, je m'en rappelle. Je m'en rappelle très bien. Si tu rates ne serait-ce qu'une seule pièce, t'es mort. Je crois que tu peux pas revenir en arrière. Tu ne peux pas revenir en arrière. Merci pour le sub, Papy Yoshi. Je crois que tu dois toutes les avoir du premier coup. Oh là, putain. Ah bah oui, il y a du temps. Oh putain. Oh non, il n'y a pas de temps. Et tu peux pas revenir en arrière si t'en rates une, hein, je crois. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Concentration, concentration. Bah, j'ai peur là. En fait, c'est pas dur, mais si t'en rates ne serait-ce qu'une, t'es mort. C'est un peu la difficulté du délire. Ok, 50. Quelle musique incroyable encore que nous offre Nintendo. Merci, Monsieur Kondo. Et il y a Jimmy Wakai. Et tous les autres d'ailleurs. Ta 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 ta. C'était facile. Bon, pourquoi vous avez stressé, vous avez dit que c'était dur. Tout va bien, vous voyez, je l'avais dit. Voilà, allez, ça dégage. On fait trop fort, on peut le dire. On peut le dire. Là, c'était quoi la musique? C'était une musique de Snoop Dogg, je pense. En vrai. Ça ressemblait bien à son style. Non mais, vous allez vraiment faire des allers-retours comme ça, là? Ah bah d'accord. Et du tout ma gueule. Bon, faut qu'on fasse un niveau normal du coup. Pour faire apparaître les comètes violettes. Il est sérieux lui? Oh, le nombre d'allers-retours quoi.
Attends, c'est où déjà le téléporteur pour le grenier? C'est lui, non? Ah, d'accord, donc non, faut pas lui reparler. Très bien, faut pas lui reparler. Pom 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 pom. Faut aller voir le luma des comètes. Ouais, bah autant enchaîner et faire un stage normal pour changer un petit peu. Parce que là, toutes les pièces violettes d'affilée, je t'avoue, c'est compliqué. C'est compliqué. Flotte armée, gerbe infernale. On l'a pas fait celui-là encore. Bon, le souvenir, il est cool. Laser en pagaille, ça ne me dit rien qui vaille. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai que le grenier, c'est les niveaux un peu plus retors, on va dire. Très bien. Encore 9 étoiles, c'est ça? C'est ça, encore 9 étoiles aujourd'hui, très bien. Ah, j'adore cette musique parce que généralement, quand il y a cette musique, plus t'avances vers la fin, plus elle part en couille. Pardon? Je demande la VAR. Regardez, plus on va s'approcher de la flotte, plus ça va partir en couille. Faut qu'on rentre dans le tuyau, je pense. C'est le genre de petits délires musicaux que j'aime bien. Non, pas du tout. Allez vous faire foutre. Merci Nintendo. Faire passer pour un con encore une fois. Merci beaucoup. Merci. Ouais, c'est très bien. Non mais en vrai, regardez. C'est un prank les gars en fait. Vous allez voir. Quand on va sortir d'ici, il y aura la musique. Vous allez voir. C'est un prank. Ah. Non, je n'ai pas fait la bibliothèque, non. Ah, vous voulez qu'on fasse la bibliothèque? On la connaît pas tous par cœur, cette histoire. Oh putain, mais ce level design, c'est incroyable. Je crois qu'il y a un tel level design sur Fort Boyard. Je crois pas, non. La micro-hits, faut se réveiller, hein. J'ai cru. S'il te plaît. Pas de panique. Le pire move. Allez, on se reprend. Oh, quelle grâce, putain. Allez. Continuons. Attends, me dites pas qu'il faut que j'emmène une bombe tout en haut. Non, ça va en fait, toi. Alors. Allez. Non, c'est pas ce que je te demande. Allez, on recommence. On va y arriver. Hein. On va y arriver. Ouais, en fait, il fallait que j'arrête de faire la tornade. Ah bah vous voyez, la musique part en couille là. C'est la même musique qu'au début, mais en... Ah, j'avais raison, c'était un prank. J'ai fait exprès. J'ai fait exprès. Oh le skill. Oh le skill man. PGM. Ah, Yoshipa m'a banni Esteflex. Yoshipa m'a levé le bannissement temporaire de Esteflex. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu glissade? T'as ripé?
le micro, comme d'habitude, qui remonte tout seul. Ça fait du bien. Enfin, j'achète un autre bras mécanique. Il y a un truc que je veux, les gars. Je veux un Zelda Maker. En gros, tu pourrais faire les donjons que tu veux. Et tu pourrais avoir la DA du 1 ou de Link to the Past. Voilà, c'est tout. Et c'est dit comme ça. Enjoy. Et par pitié, ne me parlez pas de Link's Awakening. Parce que le mode qu'il y a dedans... Hein ? Voilà. Attendez, mais je peux l'atteindre ici, là, non ? Oh là, mais... Oh, mais... C'est trop ! C'est trop ! Oh, les cuts qu'il prend, les gars, mais... Ouais, avec les DA de Link's Awakening, du 1 et de Link to the Past, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Parce que Mario Maker 2 c'était cool. Et puis Mario Maker 2. Pourquoi pas Mario Maker 2 en live? Genre faire les niveaux des viewers. Mais putain, mais ça, ce serait le comble d'interaction. Et j'aurais plein de subs et plein de prime et plein de thunes. Mais ouais. Oh, voilà une idée qu'elle est bonne. Mais ouais, putain. Oh ouais, je me ferais ma thune. Les gens penseraient que je veux interagir avec eux et tout. Mais ouais. Mais ouais. L'argent. La moula. Non mais en vrai ça pourrait être cool des niveaux sur Mario Maker 2. Bon après il me faudrait des modos. Bah comme Hooper d'ailleurs. Des modos qui analysent les niveaux avant. Parce que bon c'est pour faire des niveaux à la con un niveau de merde. Ou genre il y a écrit conduit ou j'en sais rien. Genre de l'abonné 15 ans forceur qui te sort tout le temps la même, le même même. Bon ce serait pas très drôle quoi. Faudrait des bons petits niveaux. Ou alors, qu'il y ait écrit conduit, mais autour d'un bon level design. Là, j'accepte. Moi, j'ai fait que deux levels dans Mario Maker. Qui était plutôt bien noté, d'ailleurs. Ok, peut-être que les gens, ils ont noté parce qu'ils ont vu que c'était ma gueule et tout, que c'était moi qui l'avais fait, mais... Je me suis fait chier pour les faire. J'ai tryhard, hein. Les deux levels que j'avais fait, hein. Le niveau des twomps. Et le niveau... c'était quoi l'autre? Ah, c'était le niveau des plantes piranhas. Il y a même des Américains qui l'ont fait, ce level. Il y avait 4 Américains qui avaient fait mon niveau des plantes piranhas. Et le mec, le YouTuber en question, a dit « Vous allez voir, ce niveau, il est trop bien. » Et ses 3 potes, ils ont dit « C'est de la merde comme niveau. » Je m'en rappelle, ils ont dit que c'était de la merde. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, hein. Ça peut pas plaire à tout le monde. Une personne sur 4, j'ai envie de te dire. C'est pas grave. Hein. Merci Yoshipam pour le sub. Mais moi je me rappelle, les deux levels que j'avais fait, j'ai kiffé bien. On les refera, tiens. Ouais, un petit live sur Mario Maker 2 en vrai, ouais. Pourquoi pas. Même si c'est pas le level des abonnés, au moins faire le level des levels qu'on trouvera. En voilà une idée qu'elle est bonne. Il faut leur faire un texan pour les remercier. Ah, c'est trop tard. Le texan est déjà sorti, voyons. Sur Pong en plus, hein. Ça, vous êtes content du coup. Vous voyez, hein. Vous voyez que je suis à l'écoute de la communauté. Ils me demandent un texte sur Pong, je le fais. Non. Quoi est le problème? Je suis à l'écoute. Oh, la musique est pas là pour rigoler, quoi. Aïe. Pom 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 pom.
Attendez, il y en a ici. Attends, tu vas vraiment m'obliger à descendre du bateau? Ah oui, non, là, on peut faire ça. Je sais pas pourquoi cette musique me fait penser à une musique de Rayman 2. Je ne sais pas. Quel jeu aussi c'est Rayman 2? A mon avis, on peut se brosser pour Rayman 4. Attends, je viens de voir une ombre là. Je rêve ou j'ai raté une étoile là. Enfin, une pièce. Ah non, c'est toi. Tiens, tu te fais passer pour une pièce violette, tu te fous ma gueule. Hein. Mais merci pour l'info, mais c'est pas possible. Mais vous êtes des vrais figurants, vous, c'est pas possible. Putain, mais. Putain, les Toads, c'est quelque chose. Hein. Les Toads, c'est. C'est de pire en pire. Hein. Putain, et on a mis ça en capitaine à la place de Daisy. Prochain Mario Foot. Mais putain, mon gars. En vrai, je préfère Toad que Daisy. Ça va chialer sur le chat, là. Je le sens. Ça va chialer. Ça a l'air un train redondant. Les niveaux violets. Oui. Je le confirme. Je le confirme. Ça fait un bon punching ball. Effectivement, les Toads sont toujours utiles pour se défouler. Merci Lanzor pour le Prime. Ah, cette musique me fait vraiment penser à une musique de Rayman 2. Hein. Alors. Quel... Oh, le bon timing de Yes Sir. Merci pour le sub. Zap, end zap. Putain, le bon timing là. Pas besoin d'échelle, moi. Je monte par là. Je monte par là. Pas devant les joueurs, Mario, c'est pas le moment. C'est pas possible, hein. Et putain, mais. On a révisé pendant 2 heures tout à l'heure, Mario. Merde, pour impressionner tout le monde. Voilà, putain. C'est pas possible, ça. Tananananan. Merci pour le Prime, Kirogi. Ah, toi je t'ai vu. Voilà, on ne la fait pas, moi, bif. Reste tranquille, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Regardez ça. Regardez-moi ça, putain. Le Virgin. Le Chad. C'est comme ça qu'on fait, putain. Allez, rentre chez toi. C'est vraiment des figurants, hein. Ah, les Toads, c'est vraiment des... servent à rien, hein. D'ailleurs, on n'a pas croisé le capitaine, hein, je crois. Il est encore pire, lui. Je suis sûr, il fait rien du tout, lui. Alors, attendez, il nous manque... Il nous manque des étoiles. Enfin, des pièces. Ah, mais si, il est là, putain. Il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est très bien. Je suppose qu'elles sont là, hein. Merci pour le Prime, Monsieur Level. Ou Mister Level. Je sais. Je suis pas sûr qu'on ait toutes les pièces là. En récupérant toutes celles-ci là. Et merde. Bon, on en a raté. Elle a pas une, elle est juste en dessous de la caisse. Non. Je crois que les a déjà récupérées. Ok, bon, elles doivent être sur le bateau ou un truc du genre, j'ai dû les rater. Ah bah putain, il y en a une là déjà. Ah oui, elles sont au-dessus. Elles sont en dessous, d'accord. Je viens d'en voir, j'en ai vu 3. Il y en a une là déjà. Tac.
Ouais, mais au moins ça nous permet de chill un peu, ces petits niveaux avec les pièces de OLED, vous voyez. Tranquillou, là. Par contre, comment tu veux que je récupère cette... Mais lui, c'est le pire. C'est soit il dort, soit il danse. Alors tu m'expliques comment tu veux que je récupère ça là, s'il te plaît. Merci pour les bits, Papi Washi. Attendez, je vais tenter un truc très skillé là. S'il te plaît Mario, s'il te plaît. On va mettre bien la caméra, voilà, c'est très bon. On peut pas faire un saut mur là-dessus? Ah si on peut, d'accord, attendez. C'est une horreur. Ok, c'est bon, on l'a. Alors, il nous en manque 3. Elles sont là. Mon instinct ne me trompe jamais. Allez, ça dégage. Au secours. Au secours, les pièces de lait, putain, au secours. Aïe. Le gameplay sous l'eau, c'est pas ça. Hein. Maniabilité compliquée. Putain, mais en plus, il y avait aucun ennemi. Ah, c'était vraiment le stage. Bon, 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 bon. Tu l'as déjà probablement dit, mais félicitations pour ton numéro 100. Merci à toi, Captain Ishido. Mais tu peux le redire, hein, je m'en lasse pas. C'est bon pour l'ego. C'est bon pour l'ego. Merci pour le Prime, Tomizo. Et Tita Tonra également. Merci à vous pour le Prime. Merci pour les subs, Artaros. Alors attendez, est-ce qu'il y a une autre comète? Ok, bon, on va faire un niveau normal. Bah écoutez, allez, gerbe infernale. Ça va changer un petit peu, parce que là, on a fait beaucoup de niveaux aquatiques, si je puis dire. Ah, c'est pareil, on n'a pas l'alerte de Artaros, là. À moins que ça arrive en retard. La prédiction de presque une heure. Il y a une prédiction d'une heure. Je ne la vois pas. Il y a Yoshipap qui a glissé à mon avis. Une heure. Et ça dégage. Ah, ce niveau est trop cool en vrai. J'aime bien ce niveau. On va pouvoir se revoir le plan magnifique où Mario sort du volcan. Merci pour le sub. Slack ton pogo. L'alerte est partie en vacances. Hein. L'alerte au sub est partie en vacances, à moins qu'elle arrive dans... Maintenant. Merci pour le sub, Jérém. J'ai mal au cul. Tac. Ah oui, je me rappelle effectivement ce niveau, on l'avait fait avec l'étoile bonus. Effectivement, là on va faire la run normale du coup. Attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est sûrement pour un autre truc ça. Sûrement pour autre chose. 590 francs. Oh là là, ce n'est pas possible. Ah voilà, ça arrive. Alors ça, c'est les bits de Papi Yoshi. Ah oui. C'est en retard, hein. Rien va sur le rythme. Hein. Il y a du ping. Dans les alertes, il y a du ping. Et
Allez, c'est parti les gars pour le super plan. Regardez-moi ça. Tellement stylé. Ah, le bon timing du Yes Sir comme d'hab. Grosse synergie entre le streamer français et ses abonnés. C'est fou. Les autres streamers sont jaloux. Ils maigrissent de jalousie à vue d'œil. Alors attendez, on va arrêter de faire le con parce que là, si on se fait brûler le fion. Ça... J'avais oublié qu'il y avait les boules de feu sur le côté. J'avais oublié ça. Ah, ils te mettent quand même un petit champignon. Hein. Ils le savaient. On galérerait. Moi j'aimerais bien revoir. Ah bah c'est ça je crois. Ah oui, ça c'était un autre extrait de la pub. Regardez comment c'est classe. Au ras de la lave. Regardez. Oh là là là. Y'a pas à dire. Hein. Ça, le Mario qui vole, ça n'a pas vieilli. Hein. Ça me fait toujours son petit effet. C'est toujours stylé, je trouve. Hein. Pom, 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 pom. Ça me donne limite envie d'enchaîner avec Mario Galaxy 2, tiens. Mais vu que la prochaine fois que je joue à Mario Galaxy 2, j'en ferai sûrement un tech. Je me le réserve dans un coin. Allez, ça dégage. Non, c'est vrai, Mario Galaxy n'a pas tant vieilli que ça. Même visuellement, il a encore beaucoup de charme. Même indépendamment de cette version HD. Et ça se manie toujours très bien. Il est beaucoup plus beau que Pokémon Arceus qui est sorti cette année. Fuck you. Et ça dégage. Non mais attends, tu peux pas comparer les deux. Ça n'a rien à voir en termes de jeu. On sait Joachim, calme-toi, on le sait. Ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Allez, arrêtons de faire les cons parce que là... Regardez le passage. Oh là là, mais putain, mais... Oh le speedrun, mais... Oh là là, regarde. Ah non, là je peux pas, merde. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah non, mais j'étais obligé de passer par là. Mais putain, mais c'est de la merde. Quelle intimité ça aussi, putain. Fait chier à prendre des raccourcis pour rien. C'est dingue. La vie. Ça sent le piège à con. Va-t'en, je ne t'aime pas. Allez. Voilà, easy. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Allez, je vais taunt. Allez, je t'y-back le volcan. Dans ta gueule. Bon, S-tuto. S-tuto. Hein. La marmite infernale. Elle vaut triname. C'était pas si infernal que ça. Hein. Le vrai triname, la marmite. J'ai pas d'inspi. T'as pas une comète là pour moi? Ah bah voilà. Alors la cuisine, la chambre, la salle des machines. Allons dans la salle des machines. Très bien. Merci Jason pour le sub. Allons dans la salle des machines. C'est par là, n'est-ce pas? C'est pas du tout par là. On va descendre à la One Again Mist to Fly. Hein. On va pas se prendre la tête, écoutez. Voilà. Allez. Attendez, putain, il y avait un luma. Bon, écoutez. Je vais essayer de pas l'oublier. Il y avait un luma à côté du grenier. Je le ferai après. Pour l'instant, je vais faire la salle des machines. Voilà, on va faire la petite comète de la salle des machines. On fera le luma après. Avant qu'elle parte.
Je viens d'y penser, mais c'est la seule salle où il y a quelqu'un d'autre avec le Luma bras droit. C'est fou. Coffre à jouer, Comet Violette. Bon, ça va. Le coffre à jouer, c'est un bon monde avec un peu de chance. C'est pas parce que c'est des Comet Violette que c'est à chier. On va voir. Ne perdons pas espoir. Les pièces violettes de Luigi. Ah. C'est forcément de la merde, vu que c'est le loser de la famille. Je rigole, j'adore Luigi. Encore une fois, je crois que je le préfère même à Mario. Enfin, j'aime bien les deux au même level, mais... J'y pensais il y a pas longtemps, mais Luigi a beaucoup plus d'émotions que Mario. Il est beaucoup plus vivant et humain, je trouve. Ah ! Ah bah non, c'est de la merde, ça ! Oh, c'est de la merde. Oh, c'est de la grosse merde, ce qu'on fait. Et il y a du temps, en plus. Non, mais les gars. Non, mais les gars. Mal. Au secours. On va y passer un certain temps, hein. C'est moi qui vous le dis. Ça va être compliqué. Ok. Allez. On s'en mêle pas les pinceaux cette fois, c'est très bien. C'est très très bien. Ouais. Voilà. Je fais n'importe quoi. Alors là, je suis pas du tout, mais méthodique. N'importe quoi ce que je fais là. Je réfléchis. Tu vois, celui-là il est dur pour le coup. Hein. Celui-là est assez dur. Ah mais de toute façon, t'es pas obligé de toutes les récupérer, je crois. Il y en a beaucoup plus de 100 en fait. Dans mes souvenirs. Il y a beaucoup plus que 100 étoiles. Enfin 100 pièces du coup. Et merde. Ok, il y en a beaucoup plus que ça en fait. On s'est pris la tête pour rien. On s'est pris la tête pour rien. Bon. Il aurait été vraiment dur s'il y avait vraiment 100 pièces. Là, je meurs. Je rigole, hein. Mais imagine quand même. First try. Je ne veux rien entendre. First try. Merci pour les GG. Allez, encore 5 étoiles. Alors attendez. Oui, le Goinfreluma. Faut pas que je l'oublie, le Goinfreluma. Très bien, en plus il n'y a pas de comète, on peut le faire. On va aller faire le Goinf. On a toujours pas de lettre de la part de notre ami Luigi, que j'avais vérifié. Je sais pas du tout où je vais là, je vais juste voir. Ok. Est-ce que le Todd Factor a une lettre pour nous? As-tu une facture de l'URSSAF? Ah, l'URSSAF est là. Ah, on doit de l'argent à l'URSSAF. J'ai trouvé une super étoile, mais je suis coincé, regarde la photo et viens m'aider. Oui, bah je vois très bien où c'est. D'ailleurs, je me rappelle, on l'avait trouvé cet endroit et je vous ai dit, là, il y a une étoile à récupérer ici. Allez, bouge. C'est gratos, hein. Des petits coups comme ça au Todd, c'est gratuit. Ils sont faits pour ça, hein. Ils ont été créés par Nintendo littéralement pour qu'on les tabasse, hein. Bon, on va aller chercher. On va faire le Goinfreluma et après, on ira chercher l'étoile de Luigi. Ce serait bien que notre dernière étoile ne soit pas. Une comète violette. Ce serait compliqué. Alors combien il t'en faut?
1600, bon ça va, hein. Je prends un café non plus. 1600 éclats. C'est pire que l'URSSAF, ça. Allez, mange. Il est doué, Luigi, il a réussi à envoyer la lettre depuis cet endroit, j'avoue. Effectivement. La question cohérence au niveau du lore. Hein? On a gavé l'oie. Allez, c'est parti. En plus, si c'est un luma au niveau du grenier, c'est pas un monde qui va être facile, facile. Le défi des lapins. Allez, on va faire l'étoile de Luigi. C'est bon. J'ai assez donné aujourd'hui. Les lapins, ça va se faire foutre. Hein. Courir après des lapins, c'est bon. Je me rappelle très bien de ce niveau, c'est là où il y a de la neige partout. Et où t'es ralenti. Merci pour les subs, Shinrai TV. Ah, attendez, c'est quel monde déjà? Non, c'est pas ici. C'est sûrement dans la chambre. C'est sûrement dans la chambre. De toute façon, faudra le faire. Hein. Le monde des lapins, on le fera après. On va le faire après. C'est juste pour la gueule. C'était pour vous faire rire 5 minutes. Calmez-vous. Allez, dégage. Putain, il est vraiment violent, Mario, aujourd'hui. Savon n'a pas peur des lapins. C'est des lapins qui ont peur de Savon. Ah, j'aime bien comment Flaga de Douce est devenu beaucoup plus gentil depuis les 600 secondes. Bah, tu sais quoi, je sais que tu fais exprès pour être gentil avec moi. Allez, tu te reprends 600 secondes dans la gueule. Allez, on le banne. C'est bon. Non, le pauvre. Ah, ça va, on annule le bannissement. C'est bon, on rigole. Pauvre Flaga d'eau douce. Je l'ai débanne. Bah, je retrouve pas le nid. Attendez, mais c'est dans la salle des machines? Allez. Okay, caméra. Ah. Caméra 2. Wouah, le mec c'est cyclope quoi. Je vois des lasers. Je peux rentrer en volant? Non, il veut pas. Je ne veux pas. On a un souci. Putain, me dis pas qu'il est dans la salle de bain. Hein. Que le stage de Luigi est dans la salle de bain. Hein. S'il vous plaît. Hein. À tous les coups c'est ça. Elle est où? Elle est là-bas. Elle est là-bas. Oh, cette musique, je m'en lasse pas, hein. Je me répète, mais vraiment des musiques masterclass dans ce jeu. C'est dans la salle de bain, apparemment, d'accord. Alors, encore 5 étoiles à voir. Ah, on a 4 heures de live. Ah, mais en plus, c'est la troisième étoile. Ouais, oh, putain. Ça veut dire qu'on va se retaper un monde avec la boule. Pas la boule! Bon, de toute façon, on se garde les étoiles vertes, donc les potentiellement les stages les plus durs, pour le live de mercredi. Pour le prochain live, mercredi à 16h. On se les fera mercredi. Bon, je sais déjà où est-ce qu'il est. Hein. Je sais déjà où est l'étoile. On va la récupérer. Musique masterclass encore. Certainement ma préférée après Egg Planet et les jardins venteux. Les musiques de Galaxy 2 étaient super cool aussi. Un peu en dessous de celle du premier. Il y en avait des très très bonnes. Notamment une un peu country. Que j'aimais beaucoup. Je pense que vous voyez de laquelle je parle. La musique du serpent dans Mario Galaxy 2. Le serpent. Ah oui, le dragon. Qui a des gaz là. Envoyé par Bowser Jr. Ça
J'avoue que la musique m'a pas marqué. Moi. Peut-être quand je l'aurai coupé. C'est vrai que dans Mario Galaxy 2, il y avait des boss qui étaient vraiment cool aussi. Le dragon, qui met à l'amende tous les boss de Galaxy 1, je trouve, hormis Bowser. Le dragon de Galaxy 2 était pas dégueu du tout. Ouais, bah Gusty Garden, ouais, les jardins monteux. Incroyable cette musique. On a réécouté tout à l'heure, du coup. C'était très cool. Allez. Hop. Alors, Luigi est en bas. Mario est en haut, tu connais les bails, il est. Ah ouais, il est ici, quoi. Ah ouais, ça va être un peu plus chaud que ce que je pensais. Il va falloir se débarrasser de celui-ci parce que là. Ouais, puis en plus si je reste là, le Big Ball il va être détruit. Non ? Ah non, c'est bon. Ah bah ça va. Putain. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ce con ? Vous avez vu, il est parti tout droit. Qu'est-ce qu'il branle ? Même quand je veux qu'il me tue, il n'y arrive pas les mobs. Allez viens. Je sens qu'on va y passer un certain temps. Je le sens. Alors déjà, bute ça là. Voilà. Ça me gêne un peu. Voilà. On y arrive là. On y arrive. Salut, le sang, le pie. Ça y est, j'ai envie de faire Luigi's Mansion en live. Le mec, il veut tout faire en live. Il veut tout faire. D'ailleurs, les étoiles vertes sont beaucoup plus présentes, je crois, dans le 2. Mais qui n'ont pas la même fonction. En fait, c'est des étoiles cachées, genre vraiment. Dans des stages déjà existants. Mais elles sont bien cachées. Ce qui était très cool et beaucoup mieux que refaire l'aventure avec Luigi. Ça veut dire que t'aimes live, c'est cool. Oui, oui, j'aime bien live, c'est pas du tout parce que j'ai de l'argent en plus, non. Parce que j'aime vraiment me retrouver en symbiose avec la communauté, l'amour, l'amitié. Oui. Ah, elle est commode, bah oui. Ah, les commodes. En plus, Luigi's Mansion, on pourrait le faire en un live. Il est assez court dans mes souvenirs. La thune ! Alors, on a déverrouillé le portail aux épreuves. On se garde ça pour le prochain live. Du coup, mercredi 16h. Ah, on répète. Attends, il nous manque encore 4 étoiles. Ah oui. Effectivement. Attendez, je vais tester un truc devant vous. Vous êtes ébahis. Je vais arriver, hein. Je m'en bats les couilles. Trop de skill. Beaucoup trop de skill. Tu es sur émulateur, on me le banne. Même si ironique, on me le banne. Les pièces violettes de l'espace flottant. Oh putain, je sens que c'est des pièces violettes avec les étoiles bleues là. Ah, et vu la musique, c'est en temps imparti. Oh non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Et les toads qui vont rien branler comme d'habitude, allez super. Bon, je suppose qu'il y a encore une fois plus de 100 pièces. On peut pas le détruire ça ? Ah si on peut.
pas réussi à faire ce que je voulais faire, c'est pas grave. Oh putain, mais... Oh non. Oh non, 8 secondes. On a frôlé la catastrophe. Deux secondes, je crois, est resté. Pour le spectacle. Deux secondes. C'était chaud. C'était chaud. Putain, je me sens comme quand je m'approchais de la fin d'Elden Ring. Je veux pas que ça se termine. J'aime tellement ce jeu. Pas de comète. Bon. Ah, mais on a fini la salle de bain, ça y est. Ben non, pas du tout. Ah si, on l'a fini, d'accord. Là, il y a une couronne sur la salle de bain. On a fini la zone. Très bien. Ok. Très bien, très bien. Écoutez, écoutez, je vais retourner dans le grenier, dans la salle des machines. Hein. Pas un petit stage, un petit niveau à faire là dans le coffre à jouer. J'aime bien ce stage. Oh, attendez, on m'a posé la question. Le meilleur OSS, Seven. Alerte rouge. Je ne sais pas. J'aime beaucoup le 1 et le 2. Mais en vrai, je vais faire du mal à certains, mais je préfère le 2. Mais genre... de très très peu. Les deux premiers sont masterclass. Le 3 atteint pas... Il arrive pas à la cheville des deux premiers, mais il est bien quand même. Il est sympa, mais... Oh, le 3 est sympa en vrai, il y avait des moments qui m'ont fait rire. Mais bon, c'est sûr que par rapport aux deux premiers... Mais je préfère un peu le deuxième que le 1. Ah c'est dur hein, putain c'est dur. Le 1 est incroyable. Hein. Franchement les deux je les mets au même level en vrai. Mais si tu me demandes vraiment d'en choisir un, je choisirais le 2. Parce que je sais que le 1 tout le monde le kiffe, c'est le préféré des gens donc... Attendez, dans le 2 il y a la blague des boules de Noël. Attendez, s'il vous plaît. Ah, on va faire la grotte du donjon. C'est pas le meilleur. Là. Aussi, c'est rigolo. Allez, encore 3 étoiles. De musique. Ah, ils se sont bougés le cul quand même. Hein. Vous voyez, quand on attaque leur espace, ils le protègent quand même. Hein. Ouais, c'est comme ça qu'il faut le buter dans mes souvenirs. Ah oui. Attends, il y a de l'argent là. Ah, moi et l'argent. L'argent passe avant tout. L'argent passe avant la survie. Viens. Oh, il est pas content. Ah, il est pas content. Il est pas content. Encore une taupe qui est vénère parce qu'elle a plus sa place dans le prochain Mario Strikers. Oh, il fait jour en fait. Oh non. J'ai raté. Oh non. J'ai raté l'étoile. Alors que j'adore la musique de l'étoile, je suis dégueu. Ah oui. Ah mais je suis vraiment en train de faire...
C'était assez violent ce qu'on a vu là. Je me suis fait enchaîner mon gars, j'ai eu le temps de rien faire. Concentrons-nous. Ok. Allez, c'est l'heure de la revanche. J'ai dégagé la fleur de feu avec l'étoile là. Ah d'accord. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je pense qu'il faut prendre la fleur de feu. Ah ok. Sympa, ok, on a alterné pouvoir, très bien. Ça va être dur. Ça va être dur. Non, ça peut être dur. Faut bien. Oh l'enchaînement. L'enchaînement. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez, je suis censé aller là. Ouh là là, c'est un bordel. C'est le bordel. Oh! Oh le screamer! J'ai cru mourir. C'est un bordel ce niveau, attends, il est immense. Ah. Oh, cette musique. Mario World. Mon Mario 2D préféré. T'es sérieux? Tout ça pour ça? Tu te fous de ma gueule, hein? Oh non, t'es pas sérieux! Pour une vie, let's go! Ah là! Un peu mad là! Ouais, vas-y! Ouais! Ok! J'aimerais bien être à la place de Mario, ça a l'air rigolo ça! Tiens, vous voyez? Écoutez bien, regardez le vrai fan. Le bruitage du robinet, enfin du canon d'eau, c'est un bruitage de Zelda Majora's Mask, qu'on entend aussi dans Zelda Majora's Mask. Le petit. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est la fin de cette anecdote. Super. C'est un peu con. Hein. Ah, ça par contre, j'avais pas prévu. Putain, les Magic Koopas, c'était une horreur dans Mario World d'ailleurs, putain, je m'en rappelle. Quelle horreur! Ah! Oh, des chip chip! C'est les premiers chip chip qu'on voit du jeu, je crois. Non mais. Les chip chip! Ah ouais, dans mes souvenirs, il faut appuyer dans le bon ordre, non? Ah non, pas du tout. N'importe quoi. Ah, la pastèque! Je me rappelle de la pastèque. Là aussi, c'est une bonne idée, vous voyez? Le fait de faire une attaque rodéo... Pour envoyer la balle dans... Ah ça c'est pas cool. Dans la pastèque. Ah là, c'est fou.
fais. Ah, si je fais attaque rodéo, je vais crever là. Ah oui, d'accord, donc je regarde rien, d'accord. C'est très bien. La première fois que je suis arrivé ici, j'ai mis 100 ans à comprendre ce qu'il fallait faire, bordel. Pour le coup, ouais, en y repensant, c'est pas forcément évident. Parce que c'est la première fois que t'as un délire comme ça. Un puzzle comme ça. Et c'est une très bonne idée, hein. Très très cool. Alors l'idéal, ce serait qu'on se fasse une comète violette pour la 99e et pour la 100e, on finira en beauté avec un stage normal. Merci Locli pour le Prime. Locli, qui est l'auteur des émotes Mascas et de Fabio Admiration sur le chat. Quelqu'un dont j'aime le style, qui est doué. Putain, si ma vie était à refaire, vraiment, je ferais dessinateur au bas. Je suis une grosse merde et je le regrette en dessin. Merci Dragonite89 pour le Prime. Enfin bon, non, vous avez vu mon dessin de Trindamer sur Twitter, non. Je suis modeste, hein, mais en vrai. Et merci Narga également pour le sub. J'ai qu'un point de vie, d'accord. Non, les modes Fabulous, c'est moi qui l'ai fait pour le coup. Bon, on dira. Et juste détouré à la con. Juste détouré ça. Et il a également fait, oui, les modes pompe, effectivement. Ok, donc un point de vie. Bon. Concentrons-nous. Viens te battre. Viens te battre. Merci Birozor pour le Prime. On esquive. Je dis exactement la même merde pour les combats de boss sur Elden Ring. On esquive, voilà, attaque, on tape, hop. Voilà. La petite contre-attaque. En vrai, c'est là que ça se corse. Parce que là. Pas mal de dangers potentiels pour le point de vie. Là encore une fois. Elle était un peu conne, hein. Elle avait vraiment envie que je la tape limite. Quel enchaînement, messieurs dames. Quel enchaînement. Tum, 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 tum. Merci pour les GG Chanty. Toujours là. Elle me soutient toujours, hein. Encore une fois, faut pas s'étonner qu'elle soit VIP, hein. Contrairement à certains ici présents. Il y a du favoritisme. Ouais. Il y a du favoritisme, totalement. Ouais. Bah attends. Ah, il n'y a plus de comète. Bon, écoutez, pour la dernière étoile, on va se faire un niveau normal. Oh, on va finir sur Jabin Infernal. C'est mon préféré de du monde du grenier. Et le petit Beluga aussi, qui fait partie des hits pour moi. Est-ce qu'il est là, le petit Beluga? Ah, il est là, le petit Beluga, il est connecté, je vois. L'homme qui a le pseudo le plus sain. Encore une fois, un très bon timing, yes sir. Merci pour le Prime, Alucard. Et en plus, regardez, parmi nos abonnés, on a des fans de Castlevania. On a du goût ici, on a du goût. C'est un sacré bordel, hein. C'est un sacré bordel. Oh, yes,
Également, je tiens à le dire, toujours pas de test en carton sur un Castlevania. Quelle indignité. Faut se bouger le cul. Hein. Faut se bouger le cul. Alors, dans mes souvenirs, il faut ramener cette petite flamme rouge ici. Voilà. Oh, le skill. Fallait que je mette ma tête dans les mains là, parce que trop de skills à supporter. Merci pour le Prime, Jikusinki. Oula putain, on va se calmer. Alors, regarde les passages secrets. Oh la gravité. Mal. Gravité 1, 7-0. J'ai compris. Nintendo, ils ont dit non. Ils ont dit non, tu ne feras pas ça. C'est interdit. C'est vraiment un bordel. Hein. Ah, j'ai mal évalué la périphérie. Tu vas y arriver, OBS, tu vas y arriver. Viens. T'as la pire étoile. Hein. Une déco, on n'arrête pas de crever. Ah, bah alors ça fait du bien ça. Hein. J'ai pas envie. Putain. J'ai oublié qu'on se déplaçait avec les mouvements. Oh putain. Oh mon dieu. Quoi, y'a encore une déco? Rassurez-moi, non. Hein. Au secours! J'ai pas envie, les gars. On va la jouer poussi. On va y aller doucement. Tom. Allez, on fonce. Oh, la musique! Je m'arrête pas! Ça c'est beau. Le first try en plus, sans crever une fois. Bon bah c'est cool. Bon, la petite déco à la fin du live, c'est pas trop grave, on aura perdu des gens, mais bon. En moyenne, on était beaucoup aujourd'hui, c'était cool. Et du coup, bah, on va s'arrêter là. Et puis n'oubliez pas, prochain live, mercredi à 16h. Et on finira Mario Galaxy, après avoir testé Tetris 99, comme d'hab. La centième. C'était cool. Et puis je vais remercier du coup tous ceux, il y a eu beaucoup de subs, donc merci à vous, et merci également aux viewers de l'ombre, à tous ceux qui sont du coup partis avec la déco, c'est compréhensible. Et merci à vous qui êtes restés jusqu'à la fin, merci à tous, c'était cool. Je m'en vais parce que j'ai très faim.